Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Je suis aujourd'hui en compagnie de Tildus pour un nouveau rapport de bataille autour de Warhammer 40 000. Je suis venu aujourd'hui à nouveau avec mon Adeptus Mechanicus, mais alors fini mars, aujourd'hui je viens avec Stygies. Yes, et moi je vais prendre en main le tout nouveau codex Necron, et pour l'occasion, je vous ai sorti Doctan. C'est parti pour la vidéo. Ok, donc aujourd'hui je viens avec 2000 points donc d'Adeptus Mechanicus, full Mondforge Stygies. Alors je rappelle que ils ont un quantique qui est assez sympatoche, qui permet au véhicule de désengager et tirer. Donc ça sera le quantique numéro 2 que je vais changer par celui de Psychic Awakening. Maintenant il faut savoir que Stygies a un stratagème qui est très très sympa et que j'adore utiliser, qui me permet de faire un mouvement d'avant-garde pour un PC. Je peux le spammer en début de game, donc je peux balancer carrément toute mon armée en claquant autant de PC que d'unités pour aller prendre la table très très vite, et ça c'est très très fort. Et en plus de ça, nativement, le monde de Forge Stygies permet d'avoir moins 1 pour être touché tant que je suis à plus de 12 pouces d'une unité ennemie, et ça c'est génial. Maintenant, en termes de traits de seigneur de guerre, relique, j'ai pris celui du Psychic Awakening, donc Divination du Magos, ce qui me permet de faire du Daka sur du 6 notamment. Et une petite relique très sympa, c'est pas une relique, c'est un deuxième trait de seigneur de guerre, pour un point de commandement, qui me permet de faire du full reroll à 6 pouces sur des unités au cac. Donc autant dire que cette relique ne sera pas loin de mes fulgurites. Et comme relique, très classique, l'auto-caducé d'Arcane Land pour pouvoir relancer le jet de réparation de véhicules. Voilà. Ok, alors dans mon bataillon, qu'est-ce que j'ai mis? Déjà, on va commencer par trois persos. Le Dominus qui sera mon seigneur de guerre. Donc c'est pour évidemment la relance des 1, probablement sur les Ballistari ou les Désintégrators. C'est lui qui aura le trait seigneur de guerre Divination du Magos pour avoir le Daka sur du 6. Il y a aussi sur sa droite un petit Dingin Sir. C'est lui qui sera dans un Dune Rider avec les Fulgurites, avec le trait seigneur de guerre qui permet de faire du full reroll au cac. Et ça, c'est très très sympa. Et à gauche du Dominus, le petit Daedalus Rex, qui permet d'avoir plus 1 pour toucher sur une unité à 24 pouces, que je cible. Et donc toutes les unités autour de lui auront plus 1 pour toucher. Ce qui est très intéressant, notamment avec les Désintégrateurs s'ils le suivent, ou même les Breachers. Ensuite, en termes de troupes, alors j'en ai beaucoup. J'ai pris 2 packs de Breachers. Alors je les joue plus par 5, mais par 4. Ça suffit largement, et je n'en joue que 2 au lieu de 3 comme d'habitude. Et j'ai 3 unités de Skitari. Donc deux unités de Ranger que je vais mettre en réserve stratégique pour un point de commandement, les deux. Et j'ai aussi une petite unité de Vanguard, donc c'est les mêmes, mais qui permettent au CAC de donner moins en endurance, pourquoi pas sur un TAM, hein, qui seront embarqués dans le Dune Rider. Alors maintenant, au niveau de mes transports, donc j'ai deux Dune Rider. Alors un, je viens de le dire, avec 5 Skitari à l'intérieur et 5 Fulgurites pour donner quelques petites tatanes et puis protéger les Skitari qui sont OP sur un objet. Et dans le deuxième Dune Rider, donc là c'est un gros pack de Fulgurites, j'en mets 9 parce que j'aime beaucoup, ça tape fort, ça fait des BM, et si j'arrive à péter une unité, je peux même avoir une sauvegarde vulnérable de 3+ pour tout le reste de la partie. Et ils seront accompagnés de l'Ingenser avec le trait seigneur de guerre pour faire du full reroll au cac. J'ai ensuite en appui lourd évidemment 4 Ballistari, mais cette fois-ci c'est pas de l'autocanon, c'est du canon laser, donc 8 tirs de canon laser. J'aime beaucoup parce que ce qu'il me manquait dans mes anciennes listes, c'était de quoi faire de l'overkill sur les gros plots qui vont se poser sur les objets. Un gros plaque burst, un land raider, il me fallait quelque chose pour les péter d'un coup. Donc on y va avec du 4 canon laser. J'ai aussi donc 2 désintégrateurs. J'ai été séduit par la figurine, je les joue en Belleros. Donc c'est 3D3 tirs, force 6, moins 1, 2 dégâts, sans ligne de vue. Et vraiment, c'est très très important V9 de pouvoir tirer sans ligne de vue. Et pour finir, je pense m'en passer sur le long terme, mais bon, je suis encore attaché à cette figurine. C'est un Onegger que je joue avec le gros laser à neutrons, toujours dans l'optique de casser du gros châssis, et puis de rester fond de table et de garder un objet. Voilà. Et il ne me reste plus que 3 unités à présenter. Donc en attaque rapide, il me reste 5 raiders, que j'aime beaucoup aussi avec le mouvement d'avant-garde et le fait qu'ils peuvent cibler des personnages. Donc je les joue beaucoup beaucoup et je commence à les maîtriser, donc je prends du plaisir à les jouer. Et
petite surprise, des unités qui mangent pas de pain, qui ne font peur à personne, mais qui en secondaire vont me faire rapporter, j'espère, beaucoup de points. Ce sont deux unités de Rustalker. Alors ce ne sont pas ceux qui FEP naturellement, c'est ceux qui ont un petit stratagème dans le Psychic Awakening qui permet de me redéployer à 9 pouces d'un n'importe quel bord de table pour un PC. Alors ça, pour le contrôle map, les secondaires ou même déployer les brouilleurs, c'est génial. Ce sont des unités qui me rapportent en général beaucoup de points. Voilà pour la présentation de ma liste, je laisse la parole à Tourop. Ok, présentation de l'armée Necron, première fois que je vais vous jouer en rapport de bataille le nouveau codex V9 Necron, un codex d'ailleurs, soit dit en passant, que je trouve vraiment vraiment cool, avec plein de choses et plein de manières de le jouer. Aujourd'hui, j'ai décidé de l'amener d'une façon autour de mécanismes de jeu qui vont surtout reposer sur à la fois le protocole et à la fois sur les temps. On verra par la suite, hein, au fur et à mesure des rapports de bataille, comment on va faire évoluer tout ça et vous proposer d'autres listes. Là, on a deux patrouilles, 2000 points d'armée, on va avoir... Point particulier, donc je vais jouer une dynastie maison avec deux traits de dynastie qui sont choisis dans les deux listes différentes qui sont proposées dans le codex. À savoir, j'ai décidé de jouer la discipline du Ghost, donc c'est comme ça qu'on va l'appeler au studio Creative Wargame. Donc bah c'est la même chose en fait qu'avec le bolter, c'est-à-dire que quand vous ne bougez pas avec une unité, vos tirs rapides sont considérés comme des tirs à cadence maximum, c'est-à-dire que bah, mes tirs rapides 1 sur des unités de Necron qui ne bougent pas vont faire 2 tirs à 24 pas. Voilà, on reviendra sur l'intérêt aussi de ça vis-à-vis de certaines unités que je vous présenterai juste après. Et le deuxième trait que j'ai décidé de jouer, ça va être celui qui va me permettre de faire un mouvement de 6 pouces avant, au début de la bataille et avant le premier round. Donc en gros, ça va vraiment me permettre de... faire soit un mouvement d'avant-garde, soit un mouvement de retrait si j'ai pas le premier tour, ou moyennant aussi ce que va faire mon adversaire. Donc voilà pour les deux traits de maison que j'ai choisi. Il y en a d'autres qui sont intéressants. Je pense que cela s'adapte bien avec les synergies de jeu que je vais vous présenter. Je vous rappelle que sur le Tipeee, vous avez déjà deux petits tacticas autour de listes que je vous présente, que avec les mécanismes de jeu que je veux mettre en place, pourquoi je le fais. Et après, il y en a un deuxième qui vous dit ce que j'ai playtesté, ce qui n'est pas bon, ce que j'ai changé, et avec une nouvelle liste, donc qui est en l'occurrence celle-ci. Donc voilà, si vous voulez découvrir ça avec un peu plus de précision, ça se passe sur le Tipeee de la chaîne, lien dans la description. Ensuite, eh bien, on va passer à la présentation du trait de seigneur de guerre. Mon seigneur de guerre, ça va être le tétrarque, qui aura comme trait le fait de booster ses auras. Donc en gros, il va donner ses auras à plus 3 pouces, et notamment son « My will be done », donc que ma volonté s'accomplisse, il va le donner à 12 pouces au lieu de 9. En plus, il va avoir une relique, donc il aura l'orbe éternel, donc il va permettre une fois dans la bataille de relever un protocole de réanimation à full effectif à plus 1. Donc en l'occurrence, le protocole de réanimation, c'est sur du 5, ça sera sur du 4. Donc voilà, on reviendra dans la partie quand on l'utilisera pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et en plus, je vais utiliser deux points de commandement pour lui passer le mot-clé Pharaon. Et du coup, ce petit gars-là va pouvoir donner deux fois que ma volonté s'accomplisse. Donc il pourra donner à deux unités différentes le plus un pour toucher, ce qui est plutôt sexy sur le papier. Voilà, donc c'est un petit peu lui qui stack tous les bonus. Je peux pas faire autrement parce qu'en fait on est limité dans le choix du seigneur de guerre. Je suis obligé de le mettre en seigneur de guerre. C'est lui qui est obligé d'être seigneur de guerre, et c'est lui qui a l'orbe, donc c'est lui qui a la relique. Voilà, donc voilà pour ça. J'utilise aussi un point de commandement pour rajouter une relique qui va être le voile des ténèbres, donc qui va être pris par le garde royal, qui va permettre une fois dans la bataille de faire une frappe en profondeur, enfin de dépolariser une unité avec le personnage en question. Voilà, ce qui fait qu'en fait mon armée commence la partie avec 7 points de commandement. Alors, première patrouille de l'armée, on va avoir un technomancien. Donc lui, il est plutôt cool, c'est un cryptech. Je l'ai équipé de la node, donc en gros, il va pouvoir faire regagner des 3 guerriers ou un guerrier. Alors, je l'ai équipé de la node, donc en gros, il va pouvoir faire récupérer des 3 PV à une unité amie à 3 pouces de lui, donc une unité dynastie, donc ça ne marchera pas sur les temps. Donc ça, c'est plutôt cool, et ça commode bien avec le fait qu'en plus, il a le rite de réanimation, donc il va faire rip-hop une figurine par unité. Ou alors, si c'est unité de guerrier, c'est des 3 figurines. Donc ça se fait à la phase de commandement. Voilà, c'est un petit gars qui est plutôt cool pour ça.
Ensuite, on va avoir deux troupes. Il y a un pack de 20 guerriers et un deuxième pack de 20 guerriers. Ils sont équipés de la même façon, c'est-à-dire qu'il va y avoir 15 armes à tir rapide et deux armes à assaut 2. Donc, les armes à tir rapide, c'est force 4, PA-1. Et les armes à assaut 2 qui tirent à plus courte portée, elles sont force 5, PA-2. Les deux paquets sont équipés pareil, ils sont 20. Je rappelle que les guerriers Nécron ont un protocole de réanimation à 5 plus relance des 1. Ça, c'est la petite particularité. Et on verra que ça mange pas de pain, ça fait le taf. Ensuite, on a un deuxième QG que j'ai oublié de vous présenter. C'est le Royal Guardian, le garde royal. Donc lui, hormis le fait qu'il a une arme de tir qui est plutôt pas déconnante, il a la capacité en fait de permettre un désengagement plus tir sur une unité donc qui va désigner à la phase de commandement, donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va avoir un Ktan. Donc là, c'est le gros morceau de l'armée. Alors, c'est des petites figurines, certes. Je pense que c'est la première fois que je vois des petites figurines aussi chères dans le jeu. Les Ktan qui coûtent 350 euros. Les Ktan qui coûtent 350 points pièce. Alors, dans cette patrouille-là, vous allez avoir le Ktan Nightbringer qui a fait beaucoup de bruit parce que son profil est très, très bon. Effectivement, quand il tape au corps à corps, il ignore les sauvegardes invulnérables. En plus, il ignore toutes les capacités qui vont permettre d'ignorer des PV, les Feel No Pain, etc., etc. Donc ça, c'est ultra sexy. Je vous rappelle que ces figurines-là, donc les deux Ktans, ne peuvent perdre que 3 PV par phase, ce qui veut dire que ils sont longs à tuer, d'autant qu'ils récupèrent 1 PV par tour et qu'ils vont pouvoir bénéficier, une fois dans la partie, d'un protocole de commandement qui va leur permettre de regagner 2 PV. Donc ça se re-heal plutôt bien. Face à des armées qui ne font que du tir, c'est hyper dur à tomber. Là, Tildus, il a un peu de corps à corps, donc ça va rendre la partie et notamment la gestion des Ktans super intéressante. Au niveau des sorts, lui, il a un sort qui va dire je balance de la mortale à 9 pouces, son sort est très très fort. Vous choisissez une unité à 9 pouces et vous jetez 3 dés. Sur chaque 4 plus, l'unité ennemie prend D3 Mortal Wound. Donc ça peut faire super mal très rapidement. Et je lui prends deuxième sort, le sort qui va permettre en fait de faire une aura de mortal à 9 pouces. Donc toutes les unités qui sont à 9 pouces de lui sur du 3 plus de mémoire, je revérifierai, mais il me semble que c'est sur du 4 plus, ils prennent D3 Mortal Wound. Donc lui, c'est vraiment le gars que vous voulez pas voir dans vos lignes. Et voilà pour la première patrouille. La deuxième patrouille sera composée de Illuminor Zera, qui est une figurine incroyable qui nous a été peinte par Creative Charlie. Alors lui, il tape au corps à corps. Il a un rite de réanimation qu'il peut faire 2 fois. Donc il peut refaire popper soit D3 Nécron, soit une figurine dans une unité. Évidemment, vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez pas le stacker sur l'unité, donc je peux pas faire 2 fois le rite de réanimation avec lui sur un pack de Nécron et en plus le cumuler avec celui du Cryptek. Donc ça, c'est pas légit. Voilà pour lui. En plus, c'est un buffer d'unité. En gros, il va dans son tour permettre sur un jet de dé soit de rajouter plus 1 en force, soit plus 1 en endurance, soit plus 1 en CT. Donc moi, ce que je vais potentiellement aller chercher, c'est le plus 1 en endurance sur mes guerriers Nécron. Ça serait vraiment vraiment sexy. Et puis voilà, c'est un bon plot, il est assez endurant. Voilà, c'est une belle figurine. J'avais envie de le tester pour voir si ça combotait bien avec le fait de jouer sur la résilience de mes unités. Ensuite, on a en dernier QG, le seigneur de guerre qui va être le tétrarque. Aussi connu sous le nom de Overlord. Lui, il a l'orbe de résurrection, il donne 2 fois My Will Be Done, je vous l'ai déjà expliqué au début de la présentation, donc je reviens pas dessus. 2 packs d'immortels que je joue tous en... Alors, l'arme qui est en tir rapide 1 à 30 pouces, force 5, PA-2. Vous l'aurez compris avec la dynastie maison, ce qui veut dire qu'à 30 pouces, chaque mec va balancer 2 tirs de force 5, PA-2. Et puis, les immortels, 17 points pièce, la figurine, endu 5, save à 3, protocole de réanimation, potentiellement buffable avec le rite de réanimation. On va voir comment ça fonctionne tout ça. En tout cas, sur le papier, ça me plaisait, donc je vais les tester. Et enfin, le dernier petit gars de l'armée, c'est le Ktan Deceiver. Il a un profil de Ktan, donc il ne perd que 3 PV par phase, il balance 2 sorts. Il a un sort qui me semble assez sexy de base. C'est pas un sort d'ailleurs, hein, c'est un pouvoir Ktan, ça ne nécessite pas de jet de dés. Mais en gros, je cible une unité à 12 pouces et je jette un des 6 que je rajoute à mon commandement. L'unité ciblée fait la même chose et il prend le différentiel en mortal si mon résultat est supérieur. Ça peut faire le café sur des unités à faible morale. Donc ça, c'est bien. Et puis après, le deuxième sort que je lui prends, ça va être le fait de cibler une unité à 24 pouces et sur un 3+, elle prend 3 mortales. Ça fait plaisir.
Ensuite, eh bien, on a fait le tour de cette armée Nécron. J'espère qu'elle va faire le café sur la table et on passe immédiatement à la présentation des objectifs secondaires. Alors, j'ai choisi comme secondaire, et bien évidemment, je vais me concentrer sur le contrôle map. Hein. J'ai pris les brouilleurs, hein, parce que j'ai des unités qui sont capables de faire les brouilleurs, notamment les stalkers ou les skitari qui sont en réserve stratégique. Donc l'idée, c'est de les placer et puis de me faire les 10 points assez facilement, j'espère. Sur tous les fronts, parce que je veux être placé sur les 4 quarts de table. C'est le but du jeu aussi, avec les stalkers, les skitari, je vais me projeter avec Stygies, donc du contrôle map. Et je vais pas faire attrition, même si je l'aime bien, parce qu'en face, il y a beaucoup de tanking. Je vais prendre l'objectif de la mission qui s'appelle Terrain Vital, et qui me permet, si je contrôle l'objectif dans la zone adverse, d'avoir 3 points. Bon, j'y crois pas trop à celui-là. Par contre, si je contrôle les pions objectifs qui sont dans la zone centrale, c'est 2 points par pion. Et j'ai prévu d'aller les prendre. Donc, voilà mes 3 objectifs secondaires. Pour mes secondaires, j'ai décidé de prendre en premier l'attrition. J'ai peu d'unités sur table. Mon adversaire semble avoir une liste qui repose pas mal sur le MSU, donc Multiple Small Units. Ça va être intéressant de pouvoir sniper ces petites unités pour engranger des points, sachant qu'à la fin de mon tour, je mets 3 points de victoire si j'ai tué plus d'unités que mon adversaire. Ça, c'est un premier point. Deuxième secondaire, j'ai décidé de prendre un objectif secondaire du Codex Necron, à savoir celui qui va repousser les quarts de table. C'est-à-dire que je marquerai 2 points à la fin de mon tour, sauf au tour 1, si par quart de table qui n'est pas occupé entièrement par unité de mon adversaire. Donc, on pouvait se douter que c'est un objectif qu'il allait prendre, que mon adversaire allait prendre, parce que bah, au vu de sa construction lisse, de sa mobilité, mon but va être en fait de comboter ces deux objectifs, à savoir l'attrition et le refus de quart de table, en fait, pour le repousser et pas en fait avoir à aller chercher des objectifs qui vont m'obliger à avancer. Donc voilà pour le deuxième. Et le troisième, j'ai un peu hésité, mais il a quand même beaucoup de châssis dans sa liste. Et potentiellement, si ça se passe bien sur la première moitié de partie, la destruction des châssis, c'est quelque chose que je vais pouvoir aller chercher plus sur un tour 4 et 5. Ça va pas être quelque chose que je vais axer au début de la partie. Donc voilà. Refus de quart de table, détruire plus d'unités que mon adversaire et détruire des châssis. Ce sont mes 3 secondaires. Je vous propose qu'on présente le scénario. Le scénario joué aujourd'hui est le scénario numéro 22 du Chapter Approved Grand Tournament 2020. On va avoir 4 objectifs sur table. Objectif primaire classique, prendre et tenir. Au début de notre phase de commandement respective, à partir du deuxième tour, on mettra 5 points si on contrôle un objectif, 5 points si on contrôle 2 objectifs et 5 points si on contrôle plus d'objectifs que notre adversaire. Les objectifs primaires sont toujours capés à 45 points. Ensuite, les secondaires, on va en choisir 3 par joueur. Ils sont capés à 15 points par secondaire, maximum de 45 points sur le total, ce qui nous fait un score de 90 points, qui va nous permettre de déterminer quel est le gagnant. Le scénario-là propose l'objectif secondaire terrain vital, qui va consister à contrôler les objectifs du centre de table pour 2 points par objectif et l'objectif de la zone de déploiement adverse pour 3 points sur cet objectif là. Je vous rappelle qu'on est déployé en anciennement appelé le marteau et enclume et puis voilà, on a fait le tour. La magnifique table sur laquelle nous allons jouer aujourd'hui nous est fournie par MyScenari, numéro 1 en Europe sur l'impression des décors 3D. Je vous laisse admirer la qualité de la table de jeu qu'on vous présente, qui sera bientôt disponible sur son site. Et évidemment, les accessoires de jeu Creative Wargame que vous retrouvez aussi sur sa plateforme de vente en ligne. Merci à lui, vous avez le lien dans la description. Premier jet de dé de la partie, j'ai le dé noir, tandis que Tildus a le dé blanc. Celui qui gagne ce jet va déterminer son côté et prendre la première pose. C'est Tildus qui gagne ce jet. La table est parfaitement symétrique, donc le choix du côté... On s'en fiche, si ce n'est que par confort, je vais me mettre du côté où j'ai posé mon armée. Voilà, ça veut dire que la table est très très bien faite et très très bien équilibrée. Quand on est sur ces choix-là, c'est que c'est comme ça. Et donc c'est Tildus qui va faire sa première pose. Ensuite, eh bien, on va se déployer de façon alternée. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de nos déploiements respectifs. Alors c'est parti, je vais vous expliquer un petit peu comment je me suis déployé. Pas facile, parce que je me suis bien rendu compte qu'au fur et à mesure du déploiement de Tourop, il était en train de se mettre toute une phalange du même côté, pour venir clairement coffrer cet objectif et m'en enlever un des deux.
Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une partie de ma gunline derrière pour essayer d'asmater un petit peu de loin, parce qu'il a une courte portée, donc j'aurai un gros avantage en termes de tir. Maintenant, pour aller choper les objectifs centraux, ça va être compliqué. Et j'ai mis deux unités de breacher derrière chaque bâtiment. L'idée, c'est de sortir au bon moment pour aller chercher l'objectif. Peut-être même un petit mouvement d'avant-garde au T1 si j'ai le T1, mais je ne suis même pas encore sûr. Et j'ai mis de chaque côté un Dunrider. Ici, celui avec les 5 fulgurites et les 5 vanguardes pour toujours avoir des troupes OP pour venir contester ici. Mais en sachant que tout ce qui va avancer va mourir si je sors trop tôt. Donc il va falloir faire attention au timing, savoir quand est-ce que je vais chercher cet objectif. Est-ce que je le lâche un petit peu en début de partie? Je pense que le début de partie, je vais être frileux ici. Et de l'autre côté, par contre, je vais essayer d'être un peu plus agressif parce qu'il y a moins de substance de son côté de table. Il y a un vilain Khtan, mais je vais essayer de le gérer. Donc là, je pense que je me suis mis en mode un peu plus agressif avec les Raiders et les Dune Raiders avec les Fulgurites pour essayer de très vite aller au moins choper celui-là pour ne pas lui laisser en prendre deux dès le début de la partie. Maintenant, j'ai mis mes Rustalkers derrière pour le petit stratagème qui fait plaisir de redéploiement à 9 pouces d'un bord de table que je vais faire évidemment au bon moment pour aller faire du scoring secondaire. Et j'ai donc deux unités de Skitari qui sont également réserves stratégiques et qu'il va falloir faire venir au bon moment. Tout ça dans l'objectif évidemment de scorer en contrôle map. Voilà okay. Pour mon déploiement. Moi, de mon côté, vous allez retrouver... j'ai clairement déséquilibré volontairement la table. Mon but est pas forcément d'aller contrôler systématiquement trois objectifs, mais plutôt de l'empêcher de trop scorer. Donc là, en fait, ici, on va avoir un pack d'immortels. On va avoir un Khtan le Nightbringer, pardon. Donc c'est celui qui fait le plus mal, c'est lui. Et on a un Cryptek. Donc histoire de pouvoir relever un petit peu des petits gars, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Ensuite, on va avoir un pack ici de 20. On va avoir un deuxième pack de 20 que vous avez juste là. Au milieu, un pack d'immortels qui est là pour saturer. Saturé. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu cacher mes personnages un petit peu derrière le mur, ici, parce que j'ai pas envie de me les faire sniper non plus par ces petits cavaliers un peu opportunistes. On a Illuminor's Vera qui est pas loin, qui va permettre d'activer son rite de réanimation sur deux unités. Voilà. Et on a le Khtan Deceiver qui est juste ici. Ce que je vous propose, c'est de jeter le dé, savoir qui commence, et ça va forcément orienter, parce qu'on en a pas mal des mouvements de pré-game. J'ai le dé noir, encore une fois, et Tildus a le dé blanc pour savoir qui a le premier tour. Et ben, c'est Tildus qui va pouvoir choisir qui commence la partie. Bon, il m'a fallu un quart de seconde pour réfléchir parce qu'au final, il y a quelque chose que je veux faire d'entrée de jeu, donc je choisis de commencer. Et donc, tu vas par conséquent faire tes mouvements d'avant-garde si tu veux en faire. Donc, utiliser des points de commandement pour le faire et on se retrouve une fois que c'est fait. Alors, au niveau de mouvement d'avant-garde, j'en ai fait deux. Celui de mes raiders qui est gratuit pour me mettre au milieu de la table, savoir vers où je vais me projeter plus tard et surtout les mettre à l'abri. Et puis aussi l'empêcher de traverser la ruine avec son mouvement d'avant-garde plus mouvement pour éviter de me retrouver avec toute une rangée de nécrons là qui vont être prêts à m'asmater. Donc c'est plus pour le bloquer qui reste de l'autre côté du mur. Et j'ai avancé aussi ces breachers pour dès mon premier tour aller tenir l'objectif et puis le forcer à avoir quelque chose sur quoi tirer. Ça t'a fait utiliser du coup un seul point de com? Alors j'ai utilisé qu'un seul point de com pour faire le stratagème Stygid. Tout le reste est resté sur Ce qui fait que tu commences la partie avec combien de PC? Eh ben j'en ai claqué 2 en pré-game et là j'en ai claqué 1 pour me redéployer, donc j'étais à 12, je passe à 9. De mon côté, j'utilise la capacité de mon Deceiver pour rebouger 3 unités. Je peux les bouger soit dans ma zone de déploiement, donc les redéployer, soit les mettre en réserve stratégique. Donc ça, c'est en fait, ça permet de mettre ces unités là en réserve stratégique gratuitement sans utiliser de points de com. Là en l'occurrence, j'ai bougé 3 unités. Alors j'ai bougé mon Khtan, il est parti plus vers là-bas, donc voilà pour ça. Ensuite j'ai bougé mon pack de 20 guerriers qui était plus axé pour saturer là, et du coup je me suis replacé ici. En fait, l'idée va être de saturer cet objectif ici, puisque vous l'aurez bien compris, mon adversaire va vouloir s'en emparer assez rapidement. Et du coup, j'ai redéployé mon orbe aussi. Je suis venu la mettre ici parce que ça va me permettre en fait de bloquer ce coin de table et d'éviter de me prendre la FEP de ces petits loustiques, des petits Rustalkers ici. Ça évitera de me la prendre dans le dos. Et surtout, en fait, je pense, ça c'est de l'anticipation, je pense que du coup, il va tambouriner sur cette unité-là avec ses tirs sans ligne de vue. Et l'idée va être de relever un maximum de monde dans cette unité-là.
Voilà pour ça. Et du coup, je vais pouvoir dans la foulée faire utiliser ma dynastie fait maison et du coup faire un mouvement de 6 pouces pour toute mon armée. Sauf les Khtans qui n'ont pas le bénéfice des bonus de dynastie. Donc mouvement d'avant-garde. Donc là, vu que j'ai pas le premier tour, je vais pas en fait faire passer mes immortels de l'autre côté du mur parce que là concrètement ils vont prendre la foudre pour rien. Eux se sont mis là, donc ils vont encaisser un premier tour. L'idée c'est aussi j'ai fait avancer cette phalange là. On a fait le tour, on est déployé, on a fait tous nos mouvements d'avant-garde. Je vous propose qu'on commence immédiatement la partie. C'est parti, début de mon premier tour, je récupère tout de suite un point de com, donc je passe à 10 points de commandement. J'ai choisi comme quantique celui qui va me permettre de relancer les 1 pour tirer. Et moi, de mon côté, le protocole de commandement qui est actif va me permettre, en fait, avec la directive, de mettre tout le monde à couvert. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Je me suis projeté, en fin de compte. Donc là, évidemment, j'aimerais bien essayer de tenir cet objectif le plus longtemps possible. Donc évidemment, il va envoyer la foudre sur les breachers. Mais l'idée, ça va être de venir aller attendrir un petit peu ça avec les raiders, avec les breachers, avec le Dune Rider qui vont envoyer quelques pâtés ici. Et peut-être bien les désintégrateurs sans ligne de vue. Peut-être aller les caquer, les cliquer et puis les empêcher de tirer un tour. On va voir, sauf s'il y a une petite surprise qui lui permet de désengager et tirer, je sais pas trop, mais en tout cas le personnage qui peut le faire il est ici, donc a priori il pourra pas. J'ai fait venir avec mon stratagème mes Rushstalkers ici, qui vont déposer les brouilleurs et mourir. Hein, parce qu'ils vont rien faire d'autre. Hein. Mais c'est le but du jeu. Ils prennent un quart de table, accessoirement. Ils prennent un quart de table. Et en plus de ça, les raiders, le but du jeu, c'est si j'arrive à charger ici, c'est tout bonnard parce que je serai sur les quatre quarts de table. Début de la phase de tir et on commence par ouvrir le bal avec les balistari. Ok. Donc les balistari full canon laser vont absolument tout mettre dans l'unité d'immortel. Ils sont 10. Donc je vais tirer avec tout canon laser. Et surtout, je vais claquer 2 points de com. Un premier pour avoir le plus 1 pour toucher. Et un deuxième du Psychic Awakening pour avoir le plus 1 pour blesser. C'est parti. Et on n'oublie pas que le Dominus permet de faire des rerolls sur des 6. Pas des rerolls, des touches supplémentaires. Des touches supplémentaires sur des 6. Donc 2 plus relance des 1. Donc le 6, ça me rajoute une touche. Je relance le 1. Et ben c'est raté. Ça donc je le récupère grâce oui. au 6. Maintenant on est sur du 2+. Alors on est sur du 2+, parce que normalement c'était du 3. On est d'accord. Mais t'as passé un point de commandement pour blesser à plus 1. Faut savoir que c'est un canon laser force 9, endu 5 des immo qui font qu'il blesse sur du 3. Hop, donc ça fait donc 6 sauvegardes à moins 3. PA moins 3, j'ai une sauvegarde à 2, puisque ils ont une sauvegarde de base à 3 et ils ont le protocole. Mmh. Donc ça fait une sauvegarde à 5+ pour les immortels. J'en sauvegarde 1, j'en ai donc 5 qui meurent. L'unité a fini de tirer, ce qui va immédiatement m'activer un protocole. Donc j'ai 5 morts sur l'unité et maintenant sur du 5+, et ben les mecs vont se relever. Ouf. Donc il y en a 3 qui se relèvent, ce qui fait qu'au final j'ai 2 morts. Alors on va tirer les breachers avec leur force de 6 sur ici. On va continuer les immortels. Alors j'ai oublié de le faire tout à l'heure, tant pis pour moi, je le fais maintenant, mais ce petit personnage qui a 24 pouces de E va les cibler pour avoir plus 1 pour les toucher à toutes les unités qui sont à 6 pouces de lui. On y va pour les breachers. Sur du 4 normalement qui passe à 3 puisqu'il a utilisé l'aura de son perso. Okay, c'est le perso qui file les 6 ou pas? C'est lui? Oui. Okay. Non, c'est lui qui donne les 6, okay. Donc il n'y a pas de Dakar. Par contre je relance les 1 parce que c'est mon quantique en cours. Oui. Et donc j'ai tout ça qui passe. Yes. Force de 6 en du 5, on est donc sur du 3+. Oui monsieur. Et ben ça fait donc 3 sauvegardes à moins 2. Sauvegarde à moins 2, j'ai une save à 2 qui passe du coup à 4. J'en rate 3, ce qui me fait 3 morts. Attention pour le protocole de réanimation sur du 5. Et je perds 2 gars et j'en ai un qui se relève. Donc le désintégrateur ici va tout mettre sur l'unité des mortels qui est là. Alors on commence par l'âme Belerus, donc 3 des 3 tirs. Donc ça fait du 2, 3, 4, 6. 5, 6. Yes. 6 tirs. On est sur du 3+, qui passe donc à 2+, grâce au personnage. Et oui. Puis je vais porter. Donc je relance les 1 et j'ai du Daka parce que le personnage il est à côté. Donc là je relance, je réussis et je me rajoute une touche. Yes. Grâce au Daka. On est sur de la force de 6, sur dans du 5 on est sur du 3+. Et on a donc 4 sauvegardes à moins 2. C'est moins 1? C'est moins 1 de dégâts. Ok, donc j'ai une sauvegarde à 3 du coup, puisque j'ai une save à 2 de base. Et ils ont tanké les... Le D6 arme lourde.
Donc ça fait du 2. Pas terrible. Alors on est sur du 2 plus encore, ça passe, pas de DK. C'est la force de 7, on est donc sur du 3 plus. 2 sauvegardes cette fois-ci à moins 2. Moins 2, sauvegarde à 4. C'est tanké par nos amis les immortels. Et du coup, les immos ont tanké complètement le premier châssis. Alors maintenant, je fais tirer le deuxième désintégrateur. Les armes Belleros encore sur les immortels. J'aimerais bien les finir, on sait jamais. Et toutes les armes qui restent vont tirer sur les squads de guerriers. Les petites armes du châssis ont fini de rafaler là-dedans et ils m'enlèvent 4 guerriers. Voilà, ça m'a permis aussi de m'éloigner à distance de charge. Alors on va faire tirer tout ce petit monde ici sur les guerriers. C'est pas grave si j'arrive pas à charger avec les raiders, de toute façon ils auront rempli leur rôle de faire les 4 quarts de table. On y va, donc je commence par les 8 breachers, parce que je vois rien d'autre de toute façon. On est sur du 4+. Tac, tac. On est sur de la force de 6 en du 4, on est sur du 3+. Ça fait donc 4 sauvegardes à moins 2. Moins 2, j'ai une save à 3 puisque je suis toujours à couvert qui passe à 5. Ça me fait 3 morts et du coup, protocole de réanimation. Il y en a un qui est sauvé. Reroll des as puisque je suis un guerrier Nécron. Donc ça me fait 3 morts dont un qui se relève. Donc je vais enlever 3 figurines et je vais en replacer une. On continue. Les raiders ici vont continuer de tirer sur les guerriers. 2, 4, 6, 8, 10, 12. On y va, j'utilise que les carabines. On est sur du 3+, relance des 1. Je suis pas de 1 et plein de 2, c'est moche. On est sur de la force de 4, sur de l'an du 4. On est sur du 4. Donc ça fait que 3 et ça fait 2 sauvegardes à PA-1. PA-1, j'ai de la save à 4 puisque je suis toujours à couvert. Et ça me fait 2 morts que je vais tenter de réanimer. Il y a un 5 qui passe, j'ai donc un mort sur cette unité là. Et ben pour faire le bilan de ma phase de tir, je l'ai un peu grignoté partout. J'ai rien vraiment détruit. Donc j'ai bien amoindri là, les 10 immortels, il en reste plus que 3. J'ai un tout petit peu de tiré pour la symbolique ici, mais j'ai rien fait. Et là j'en ai enlevé, je pense, une petite moitié. Donc maintenant l'idée ça va être de venir charger ici, pas forcément les terminer, mais clairement essayer de venir l'embêter sur cet objectif et puis prendre le quart de table. Et ben c'est parti, je vais charger avec les raiders sur les guerriers Nécron pour continuer de les attendrir et puis éviter qu'ils puissent me tirer dessus au prochain tour. Donc on y va pour le jet de charge. C'est pas, charge de tir de, pas de tir de contre-charge de mon côté. Ok, c'est une charge à 8. C'est raté, je vais claquer un point de com parce que je veux vraiment y aller. Donc je relance. Ça sera raté. Et là, ça passe. Ah non, pas ça. Alors on y va pour faire taper les raiders, donc j'en ai 5 qui peuvent taper un qui était un peu trop limite pour y aller. Alors ils ont une attaque chacun, sauf le ranger alpha là qui a 2 attaques, et puis je ferai taper les petits chevaux après. 3 plus pour toucher. Bon, bah c'est pas terrible. Ensuite on est sur de la force de 4, en du 4, on est sur du 4+. Et ben ça fait une sauvegarde à moins 1. Une save à moins 1, du coup j'ai une sauvegarde de 4 qui passe à 5. Et ça me tue un gars. Donc on a un mort pour l'instant. Ok. On va voir si avec le reste des attaques ils tuent tout le monde. Alors je fais taper les chevaux maintenant, ils ont 2 attaques chacun. Les chevaux ont plus d'attaques que les mecs au-dessus. En même temps, c'est quand même du cheval un peu burné. C'est du cheval burné, on y va. Et ben c'est du 3+ aussi. C'est un petit peu mieux. On est sur une force de 4, sur l'an du 4, on est sur du 4+. Il n'y a pas de paix, rien du tout, c'est une sauvegarde normale. Sauvegarde normale, save à 4 de mes guerriers Nécron. Eh ben, j'en sauve 2, j'ai donc 2 morts supplémentaires. Du coup, je fais mes 3 protocoles sur du 5+, relance des as. Ok, allez, joli. Petit full. Yes, papa. Donc mes 3 figurines qui étaient mortes ici vont pouvoir rip-up. Ok, donc riposte des Nécrons, du coup ils sont 12 et ils vont taper. J'ai 12 taquets, je touche sur du 3+. Et ça saute. Et je blesse sur du... Et je blesse sur du... Sur du 3+. Sur du 3+. J'ai une endurance de 3. Et bah écoute, ça te fait ça de sauvegarde. Ok. Sans PA. Sauvegarde à 4+. On y va. Bah ça fait beaucoup trop. J'en perds un entier. Et ça c'est ça qui est bien. Et un qui reste 2 PV. Ok. Donc un cheval qui meurt. Et ben je vais enlever ce cheval là. Ok. Moment critique, test de commandement pour les Nécrons. Alors sur le pack d'immortels que vous avez ici, ils ont commencé à 10, ils ne sont plus que 3. J'ai donc perdu 7 mecs, j'ai un moral à 10. Donc sur un 4, 5 et 6, je perds un mec et je fais un test d'attrition. Ça tient. Zut, j'y croyais. Hein. Pas de test de morale, ouais. Pas de test d'attrition ici. Ensuite, de ce côté-là, bah, c'est pareil. Cette fois-ci, j'en ai perdu 8 et non 7. Du coup, pour eux, sur un 3, 4, 5 et 6,
J'ai un test d'attrition. Donc il me faut un 1 ou un 2. Allez, un 1 ou un 2. Allez, c'est bon. C'est raté. Donc j'ai un test d'attrition. Ce qui va se passer. Alors par contre, je suis pas à mi-effectif, donc je vais jeter 12 dés puisque j'ai 12 figurines et sur chaque as, ça va être un mort supplémentaire. Il faut savoir en que plus j'ai plus de celui que tu perds avec le voilà, j'ai perdu un mec et il faut savoir évidemment que j'ai pas de protocole sur ces jets-là. Donc je vais prendre 11 dés du coup. Sur des as, je perds je perds un mec supplémentaire, donc au total, je perds deux gars au test de morale et on va finir. C'est toujours globalement, ça de prix. J'ai réussi donc à caquer les guerriers, j'en ai enlevé deux ou trois, pour... j'ai pas fait grand chose. Hein. Mais bon, ce qui est bien, c'est que je les embête et du coup, ils pourront pas me tirer dessus le prochain tour, ça c'est plutôt bien. Alors en termes de scoring, c'est pas mal parce que du coup, je prends les quatre quarts de table grâce au stalker et grâce au raider, donc je me fais déjà 3 points. En plus de ça, j'ai activé donc eux pour commencer à faire les brouilleurs et je me suis posé de manière à tenir deux objets. Je ne peux pas tenir celui-là car il y a des guerriers OP dessus. Mais bon, j'ai quand même pour l'instant plus d'objets que lui. À voir qu'est-ce qu'il va faire pendant son premier tour. Début de mon tour 1. Alors, phase de commandement assez chargée côté Nécron, parce qu'il y a beaucoup de règles des personnages qui interagissent sur cette phase-là. Je vais récupérer déjà un point de commandement. Ça fait plaisir. Je suis à 7, je passe à 8. Ensuite, je vais avoir des aptitudes à réaliser. Donc globalement, j'ai ici Illuminor Zera qui en fait a le rite de réanimation et va me permettre tout simplement de faire régénérer un guerrier, un immortel. Donc voilà, c'est la capacité rite de réanimation, à savoir que si je le fais sur des guerriers Nécron, c'est des 3. Là, je vais pas faire sur les guerriers Nécron vu qu'ils sont full, il a pas de chasse unité là. Donc là, je récupère un immortel. Ça, déjà, ça fait plaisir. Ensuite, on va passer de l'autre côté de sur mon flanc droit, concrètement. Je vais avoir ici mon bon vieux tétrarque qui va donner My Will Be Done. Donc en gros, il le donne à 9 pouces, à 12 pouces, My Will Be Done. Donc cette unité-là aura plus 1 pour hit et mon pack de Nécron aura plus 1 pour hit. Donc ça fait plaisir. Et ensuite, je vais utiliser mon Cryptech qui est juste ici et lui va me faire regagner des 3 figurines dans cette unité-là. On veut un petit 5 ou un petit 6, ça sera un petit as des familles. Je récupère donc un guerrier Nécron. Je peux aussi, si je le souhaite, utiliser mon orbe. Donc potentiellement, j'ai 9 morts dans cette unité-là. Si j'utilise l'orbe, sur 4+, relance des as, je relève des mecs. Je préfère attendre encore un peu avant de me déclencher mon orbe. Donc là, pour l'instant, j'ai fini ma phase de commandement et on passe immédiatement à ma phase de mouvement. Pour ma phase de mouvement, globalement, ce qui va se passer, c'est que je vais faire reculer cette unité-là qui va passer derrière le mur. Mon plan, il m'a pas détruit d'unité, donc si je tue une unité, je prends l'attrition et je vais essayer de dégager ce pack-là et ce pack-là. Ça, c'est mon plan pour ce tour-ci. Pas trop de prise de tête. Et puis, voilà, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Ok, fin de ma phase de mouvement. Il y a des aptitudes en même temps qui vont être faites, en même temps que je présente les unités. Donc globalement, j'ai avancé ici ma phalange Nécron sous couvert de l'Illuminor Zvera qui est resté aussi à 6 pouces de nos amis qui sont juste derrière pour potentiellement donner le petit protocole de réanimation qui va bien. Je vais en premier lieu buffer avec ses compétences. Je vais buffer mon pack de guerriers Nécron. C'est parti. Eh ben, c'est un as, c'est pas forcément ce que je voulais, mais du coup c'est plus 1 en force, donc il t'apprend en force 5 au corps à corps. Ok, je prends. Le Ctan a avancé un petit peu aussi pour garder la pression avec l'avancée des guerriers Nécron. Ici, derrière ce mur, je me suis déplacé parce que j'ai envie de fumer ces 5 artichauts farceurs. Donc ceux-là, ils doivent mourir. Mon Ctan qui est là à 9 pouces minimum de cette unité-là parce qu'il va faire de la mortale ambule. Et puis l'idée c'est de venir laver ça. J'ai volontairement pas désengagé. Parce que je me suis dit, s'il reste, après l'arrivée des mortals et le close du Ctan, si toutefois il restait 1 ou 2 PV, ça sautera avec les guerriers Nécron. Et puis après, j'ai avancé juste mes immortels que vous avez juste là et qui vont avoir pour mission de tirer sur les Rustalkers. They must die. On a compris que les Stalkers vont mourir. Voilà, les Stalkers doivent mourir. Donc on va immédiatement, fin de phase de mouvement, passer au sort Ctan, ce que vous voulez tous voir. Lui, il va ambule à 9 pouces, on a donc cette unité-là, cette unité-là. Sur du 4+, cette unité-là prend des 3 Mortal Wound. Oui, ça passe, donc des 3 pour eux. Et cette unité-là, donc l'unité des clébards, sur du 4+, oui, donc des 3 sur chaque unité. Pour cette unité-là, des 3, ça fait 3 mortals sur les chiens. Et sur les Rustalkers, ça s'est cassé. Et sur les Rustalkers, 2 mortals ici. Donc on a un Rustalker qui saute, et ici, 3 mortals sur eux.
Ensuite, deuxième sort de mon Nightbringer, je vais cibler cette unité-là, puisqu'elle a 9 pouces de lui, et je vais jeter 3 dés, et sur chaque 4 plus, il prendra des 3 mortels. Donc ça, c'est les 3 dés, il y en a un qui passe, du coup, il reprend des 3 mortels, et ben, ça fait 3 mortels supplémentaires sur cette unité-là. Donc, il y a un autre socle qui meurt et il y a un PV qui part sur une figurine. Je vais maintenant activer lui. Alors, il a un sort qui dit à 12 pouces. On fait un petit test de com, on fait un truc un peu stylé. Mais j'ai personne à 12 pouces, donc je peux pas faire le sort là. Enfin, ce pouvoir que tant, c'est pas des sorts. Hein. Faut vraiment que je m'enlève ce vocabulaire là. Et par contre, il a son autre pouvoir que tant qui lui dit je cible une unité à 24 pouces. Donc, je vais prendre l'unité de Breacher et je vais jeter un dé sur du 3 plus. Eh bien, il prend 3 mortales nets. Eh ben, c'est un bon gros as. Donc, il prendra rien du tout. Alors juste petit errata, je viens de vérifier, le pouvoir que tant dont je vous parlais, c'est l'unité la plus proche, à 24 pouces. Donc en gros, ce serait parti dans le véhicule et non pas dans les breachers. Le sort a été raté quoi qu'il arrive, donc voilà, mais ça aurait été le véhicule qui prend, c'est bien la figurine la plus proche à 24 pouces. C'est parti pour la phase de tir. Alors première unité, je vais utiliser les immortels qui sont là, puisqu'ils sont à courte portée de nos amis qui sont ici. Et donc, je vais envoyer 8 tirs. Hein, je vais tirer en tir rapide. 8 tirs de force 5, PA-2 sur eux. J'ai 8 dés. Ça passe sur du 3+. Ok, il y en a 5 qui passent. Et maintenant, je vais le blesser sur du 3+. Ça lui fait 4 sauvegardes à PA-2. C'est la sauvegarde à 6. J'ai une sauvegarde à 4 qui passe à 6. Hein. Bon, j'ai tout raté. Yes, ça fait... il perd 4 PV, ça lui tue... Il reste 1 PV au sergent. Lui, tir rapide 2, donc il va balancer 4 tirs qui ont force 5, PA-2 et surtout 2 flats. On est sur du 3+, il y en a 2 qui passent et on est sur du re-3+. Et ben, ça fait 2 sauvegardes à 6. S'il en rate une, l'unité meurt. 2 sauvegardes à 6, on y va. Je rate tout. Ok. J'ai fini. C'est bon. Ils ont fait leur taf, ils sont morts. J'active Illuminor qui est ici et je vais cibler le châssis qui est juste là. Pourquoi ? Parce que lui en fait, vu que je vais tirer à travers ce décor là, va me mettre -1 pour toucher. Ce qui n'est pas le cas sur lui. Donc je vais lui tirer dessus. Je fais des 3 attaques avec mon énorme arme. Ce qui fait 2 touches. Je touche sur du 3+. Bon, ben voilà, ça règle le problème. C'est un échec total sur ces tirs. Ok, je vais activer mon pack de Nécron. Alors, particularité, c'est que j'en ai que 4 qui vont être à moins de 12 pouces. Donc, ils n'auront pas le malus de son bonus Tigui. Donc, ces 4-là vont tirer à CD 3+. Et ils vont tirer à force 5, PA-2. Donc, ça va faire 8 attaques puisqu'ils sont à ce 2. Je vais utiliser un point de com sur toute l'unité pour que les 6 pour toucher fassent des blesses autour. J'ai pas besoin de faire de jet de blessure. Donc, c'est parti. Ça, c'est les forces 5. Donc, eux, ils touchent à 3. En gros, c'est un jet un peu dégueulasse. Par contre, il y a celle-ci qui blesse auto. Donc là, ça lui fera une sauvegarde à PA-2. Mmh. Et celle-ci vont le blesser sur du 4+. Donc ça lui fait 3 sauvegardes à PA-2. Ok, j'ai 3+ de base. Je suis pas couvert, c'est pas le quantique que j'ai utilisé. Donc c'est des sauvegardes à 5+. Je rate les 3. Pardon comme Richard. Ici, le reste, donc ça me fait 16 gars. Tir rapide 1, donc je suis à plus de 12 pouces, donc je suis en cadence basse. Et je vais le toucher sur du 4+, puisque je suis hors-delà des 12 pouces, et donc il est stiggy. Et surtout, les 6 blessent automatiquement. Max de 6. Ok, c'est génial, il y a un 6. Ah, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Ok. Et après, je le blesse sur du 5, puisque je n'ai que de la force 4. Ok, et ça, c'est de la PA-1. Donc, 3+, qui passe à 4+. J'en rate encore 3, donc encore un mort. Nos amis qui sont ici ont tiré et globalement je vais avoir fini ma phase de tir puisqu'après j'ai plus d'autres unités qui peuvent tirer. Ok, déclaration des charges, je vais utiliser mon pack de guerre et Nécron ici qui va venir charger sur ce châssis là. C'est une charge à 7. C'est parti pour la première charge côté Nécron. Ça passe à 9. Je vais vous faire le mouvement de charge après. Par contre, je vais immédiatement déclarer la deuxième charge de mon armée. On va le voir tabasser des types et ça c'est particulièrement drôle. Mon Deceiver va donc charger ici. C'est une charge à 6. Il a le mot clé vol donc il va pouvoir en fait ignorer le problème de ce décor là et je vais pouvoir venir me placer ici.
Brett. Ok, donc la jolie charge à 9, elle fait plaisir, ça va me permettre de bien m'avancer. L'idée de ce que je vais vouloir faire, en fait, je vais essayer de bloquer son châssis, c'est-à-dire de venir l'entourer complètement pour l'empêcher de bouger et de gagner du terrain. Ok, donc là j'ai calculé, après avoir fait mon peel-in, je vais balancer mes 12 attaques de guerre à Nécron qui vont toucher à 3 et blesser à 5. C'est parti, donc la touche à 3. Ok. Et la blesse à 5. Ok, c'est bon. Donc grosse face pour moi. Je vais immédiatement faire un mouvement de peel-in et puis bloquer son châssis. Ok, c'est parti. J'active donc le Khtan. Lui, il va balancer. Je vais utiliser son profil qui fait 6 attaques. Je vais toucher sur du 2. Je vais blesser sur du 2. Je vais avoir PA-3 et je vais ignorer PA-4 d'ailleurs. Et je vais ignorer tout type de sauvegarde, de Field No Pain, etc., etc. Donc en gros, j'ai 6 dés. Je vais toucher sur du 2+. Il y a un as, c'est normal. Et ce que je vais faire pour être sûr de sniper l'unité, je vais pas utiliser de point de com ici. Je lui dis des bêtises. Donc là, je tape à force 14 ou 15. Donc ouais, là, je le reblesse sur du 2+. Ok, donc il y en a 5 qui passent. Il n'a donc pas d'invulnérable. Maintenant, je vais appliquer les damages un par un. Donc sur le premier KO à qui il reste 2 PV. Il ne faut pas d'as. Ok, donc là, le premier chien qui était amoché meurt. T'as fait combien? J'ai fait 6. Ok, donc le premier. Ensuite, deuxième chien, il est mort. Troisième chien, il est mort. Et les deux damages qui vont ici, ils sont morts. Voilà. Ok, il a fait le café, la vaisselle, le séchage, le rinçage, la totale. Bon, et du coup, je vais lui faire faire un petit mouvement de peeling vers l'unité ennemie la plus proche qui doit être les Breachers là-bas. Ok, donc là, j'ai bien enlevé un gars qui est mort. Je précise d'ailleurs, vous vous demandez peut-être, mais ici, hein, évidemment, on est sur des tables du nouveau format. Donc, on a une bande de 2 pouces qui est une zone morte hein, où on ne joue pas dans cette bande-là. Donc, ce qui va permettre, en fait, là, j'ai vraiment bien... Il pourra pas à la fois... Il peut pas bouger son châssis parce que je l'ai bloqué au corps à corps et il pourra pas débarquer puisqu'il pourra pas finir dans les 3 pouces de mon véhicule, enfin de son véhicule pardon. Voilà, on va arriver à la fin de son tour. Il a un petit test de commandant parce qu'il a perdu 2 breachers. Il me semble qu'il a un moral à 7. Donc sur un 6, il devrait perdre encore une figurine et ça me ferait bien ricaner d'ailleurs. J'ai un commandant de 7, oui. Oui. Je te laisse le dé pour faire un joli 6 qu'on ricane tous ensemble. Pas de 6. Pas de 6 sur cette partie. Il a réussi un test de morale. Moi, de mon côté ici, j'ai perdu une figurine, donc pas de test de morale. Et après, voilà, j'ai pas tué d'autres unités. Vas-y. Ok, on arrive à la fin de mon tour 1. Globalement, je lui ai tué 2 unités. Ce qui fait que je mets l'attrition, donc je mets 3 points sur cet objectif secondaire là. Ensuite, le refus de quart de table, je ne peux le mettre qu'à partir de mon tour 2, donc pas à ce tour-ci. Et après détruire des véhicules, j'ai rien détruit du tout. Je vais finir mon tour là-dessus. J'ai fait clairement une erreur de positionnement que je peux déjà mettre en lumière ici. C'est l'Illuminor Svera, qui clairement aurait dû rester un tout petit peu plus en retrait de 3-4 pas pour rester dans l'aura des immortels qui étaient derrière. Là, il est clairement ciblable et ça va peut-être être un seul truc qu'il peut cibler. Donc, il va malheureusement prendre la mort. Là, c'est vraiment une erreur de positionnement de ma part. Mais j'ai été emballé par ma charge, en fait, qui m'a permis de venir graber ici, tenir l'objo et bloquer les breachers. Mais du coup, voilà, c'est comme ça. Alors, début du round 2, donc début de ma phase de commandement tour 2, je récupère un point de com, j'étais à 7, je passe à 8. Au niveau scoring, c'est pas trop mal parce que dans les objectifs secondaires, j'ai pris celui de la mission, je tiens un objectif central, donc je me fais 2 points. Et comme je tiens un objectif et j'en tiens même 2, je me fais 10 points de plus, donc je me fais 12 points. Ça veut dire que pour l'instant, je suis donc à 15, vu que j'avais 3 points pour être un peu partout sur la table. Donc je démarre avec 15 points. C'est parti pour ma phase de mouvement. Alors, au passage, j'active le cantique qui me permet de me mettre à couvert pendant le round numéro 2. Voilà. Et moi, de mon côté, mon protocole me dit que je vais regagner un PV supplémentaire sur mes Living Metal. Donc, voilà, je regagne 2 PV. Ça fait plaisir. Alors, fin de ma phase de mouvement. Là, je suis complètement bloqué, donc on va faire des gros câlins pendant tout le reste de la partie. J'ai sorti les 2 breachers pour potentiellement peut-être survivre et aller chercher l'objectif le tour d'après. J'ai replacé un petit peu mes 2 désintégrateurs pour avoir une ligne de vue sur le pack de guerriers qui se trouve là, que j'aimerais bien laver pour lui enlever un objectif. De la même façon, j'ai placé donc mes balistari pour fumer son perso qui est ici, qui m'a laissé gentiment à portée de tir. Tout ce petit monde ici
a pour objectif de laver ce pack. Et puis surtout, je vais essayer, je sais pas encore comment je vais me débrouiller, mais j'aimerais bien lui enlever 3 points en phase de tir. Et ensuite, le charger avec les fulgurites, donc c'est une charge à 9, un peu couillu, pour lui retirer encore 3 PV. Mais l'idée, c'est pas forcément de le tuer, c'est de le ralentir. Tu pourras pas le tuer de toute façon. Je sais, mais c'est le ralentir surtout pour qu'il ne vienne pas me dézinguer la tronche ici. Allez, donc ça va, le ralentir un tour. Ça va saigner. Et j'ai placé mes petits skitaris là pour faire les brouilleurs dans la zone de déploiement centrale. Petite action de la part des skitaboules. Alors on commence, l'idée, on va tirer avec le Dune Rider sur les guerriers. Il faut absolument que j'enlève ce paquet pour qu'il ne récupère pas l'objectif. Du coup, je perds une figurine sur cette unité-là, suite au tir de mitraillette. Alors, le désintégrateur va absolument tout mettre dans cette escouade de guerriers nécrons. Ok, une fois que les attaques, les touches, les blessures, les sauvegardes et les jets de réanimation sont faits, il vient de me retuer 5 figurines avec son châssis. Alors, on y va avec le désintégrateur qui va tirer avec ses D3 tirs là-bas, toujours sur les guerriers. Yes. Et le reste va tirer sur la seule chose qu'il voit, c'est-à-dire... Illuminor Zera. Illuminor. La cible qu'il vous faut. Voilà. Ok, donc là, le deuxième châssis vient de tirer. J'ai reperdu un guerrier ici. Et là, surtout, il vient de m'a atomisé Illuminor Zera. Magnifique figurine qui va retourner dans les ombres. Mais en fait, c'est vraiment, elle est morte à cause d'une erreur de ma part. Là, c'est moi qui ai joué comme un gros noob. Merci, bonsoir. Alors, les véhicules maintenant peuvent tirer au cac. Donc, je vais le faire. Par contre, j'aurai moins un pour toucher. Donc, je vais tirer sur les nécrons. Vénère, le type est vénère, il m'a enlevé 3 guerriers nécrons avec des rafales de mitrailleuses au corps à corps. C'est plutôt stylé. Alors on va y aller avec les balistari hein, qui vont tout tirer sur le Ktan. L'objectif c'est de lui enlever 3 PV. C'est parti. Alors pour être sûr de lui enlever au moins 3 PV, sachant que j'ai moins 1 pour le toucher, donc je toucherai sur du 4+, ça me plaît pas du tout. Je vais juste claquer un point de com pour assurer le coup et avoir plus 2 pour le toucher grâce au stratagème sur les balistari, parce que j'ai un datacable à large spectre. Par contre le plus 1 pour blesser, là il va être anecdotique, normalement stat, je lui enlève ses 3 PC. Hein. Donc ses 3 PV. Donc je enlève ici, je passe donc à 7 PV. À 7 points de com. Ou 7 points de com, pardon. 2, 4, 6, 8. On y va. 8 tirs qui vont toucher sur du 2. 2 plus sur du 1. On relance des as et les 6 explosent. Voilà, et je fais 2 rerolls en plus. Donc je rajoute 2 dés, s'il te plaît. Allez. Et là, on y va. On est donc sur du 3+. Ouais, sur du 3. Voilà, écoute. C'est plutôt propre. Tu me fais 2, 4, 6, 7 sauvegardes à moins 3. Le Ktan, don't fall. Ok, bon, ça va. On va éviter de faire les dés 6 blessures. Il a perdu 3 PV. Ok. Alors, au niveau de ma phase de tir, bon, c'est potable. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire, donc laver le pack de guerriers ici. Après, il a un test de commandement, il va en perdre peut-être un ou deux, mais ils seront toujours sur l'objet, tant pis. J'ai défoncé le personnage très charismatique, très sympa, avec un nom bizarre, là. Illuminors, un beau cadeau d'Alex, je le remercie. Ouais. J'ai fait de l'overkill total sur lui, mais il a une petite race sympathique, il ne peut perdre que 3 PV, donc bah, il a perdu que 3 PV. Oui. Je tiens deux objets fermement. Je suis dans 3/4 de table, mais il me reste une petite charge très sympatoche pour pas tuer ce Ktan, mais le ralentir. Donc les fulgurites. Les fulgurites. Vont donc charger le Ktan. Phase de charge. On est sur du charge à 9. Ouais. Donc j'ai plus peur de me les faire laver, mais je vais essayer de ralentir. En Allez. Mais si la charge. Reste... Attention. Attention. Le point de com ou pas le point de com? Est-ce que je claque un petit point de com? Est-ce que je le claque un petit point de com? Je pense que t'as 7 points de com, je pense que t'as assez de richesse pour le faire. Non, mais je vais claquer. Il faut que je ralentisse, je claque un point de com, je le retente. La charge. Couillou le caribou. Ah et bam. Et il va venir m'impacter et me faire les fesses. Wow. Alors, en termes de scoring, j'ai fini mon round. Je suis sur 3/4 de table, grâce aux petits skitari qui sont venus des réserves stratégiques. Donc je ne fais que 2 points. Au niveau des brouilleurs, ils font les brouilleurs. Donc j'ai fait les brouilleurs dans sa zone, dans la zone centrale, et prochain tour, bah, j'aurai les 10 points de brouilleur. Et puis, j'ai détruit qu'une seule unité, peut-être 2 s'il déchatte complètement. Non, d'ailleurs, on va le faire au test de commandement maintenant. Du coup, test de commandement, j'ai un commandement à 10, il me faut un ou un 2. Non, voilà, j'ai un test d'attrition, donc je perds un gars, je vais perdre lui. 3D. J'ai 3D, et donc sur un 1 et un 2, je repère un mec. Donc j'en repère un ici, et donc vous doutez bien qu'il va être temps d'utiliser l'orbe, on va bien rigoler. Et donc on a fini pour la phase de morale de mon côté. Début du tour de côté Nécron. Alors phase de commandement, j'étais à 7 points de commandement, je repasse à 8. J'ai utilisé vraiment très peu de points de commandement pour l'instant. Donc là je suis à 8. Ensuite je tiens 2 objectifs et pas plus que mon adversaire, du coup je mets 10 points de primaire, tout comme l'a fait Tildus à son tour. Et maintenant je vais activer 2-3 petits trucs un peu stylés, à savoir évidemment, ils sont 2, il a une orbe, ils sont 2, on s'est compris.
C'est la relique. Ah, donc, la en tristesse. Gros, je vais utiliser la relique et l'orbe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 18 morts. Je vais donc jeter 18 dés. Et sur du 4+, puisque la relique permet de la relancer à plus 1. Reroll des as, parce que c'est des gars et nécron. Ça va ripoper sévère. J'ai donc ici 18 dés. Voilà. La déprime. Et donc, je repop sur du 4+, relance des as. Alors, ça nous en fait 5 de mieux. Et 5, ça nous en fait 10 de mieux. Et ça nous fait 3 as. Et eh ben, ça nous en fait une de plus. Il y a donc 11 guerriers qui reviennent. Ça fait plaisir. On continue dans les trucs un peu sales nécrons, un peu salés, un peu piquants. Donc là, en faisant mon raise, alors au niveau des règles, je ne saurais pas trop comment le définir. Donc on a essayé de rester au plus propre. C'est-à-dire que quand on raise sur une phase en cohésion d'unité avec des figurines qui étaient déjà là, ça évite de faire des cordons de l'espace. Néanmoins, j'ai quand même pu en fait venir à deux pas d'une figurine qui était là, ce qui fait que ça m'a mis dans l'aura de mon cryptek qui est juste derrière. Et donc mon cryptek va faire un rite de réanimation et réanimer des 3 guerriers. Le petit 3, non, ça fait 2. Du coup, je récupère encore 2 guerriers dans l'unité. On ne voit pas derrière la caméra, mais je pleure là. On continue toujours dans ma phase de commandement. C'est la première fois que je joue autant sur une phase de commandement. Lui, eh ben, on est sur mon protocole de Living Metal à 2 PV, ce qui veut dire que notre ami qui a perdu 3 PV n'en a perdu qu'un seul en vérité. Ce qui fait qu'il revient à 1 PV. Et du coup, je vais utiliser mon aura de My Will Be Done. Donc, on est toujours en phase de commandement. Donc, cette unité-là aura plus 1 pour toucher. Et je vais le donner aussi à l'unité qui est ici de d'Immortel. J'ai donc fini ma phase de commandement et j'attaque maintenant ma phase de mouvement. Ok, fin de ma phase de mouvement. Alors globalement, j'ai avancé mon temps ici. L'idée étant de venir un peu faire un peu des dégâts, un truc un peu stylé encore une fois. Ici, on n'a pas bougé, on est resté au corps à corps puisqu'on bloque bien tout ce petit monde dans son châssis, ça me va bien. Ici, de ce côté-là, on est sorti du sentier parce qu'il le faut. Et puis, on a bougé un petit peu les guerriers nécrons, le cryptek est venu rejoindre l'ensemble. Je vais essayer de garder vraiment un groupe solide sur mon objectif et puis essayer de rester en place un maximum de temps. Voilà. Et puis après j'ai avancé évidemment le Nightbringer qui va venir casser des martiens. Là, clairement il est en colère, il n'est pas forcément très fan de la situation géopolitique sur Mars, il est venu l'exprimer, donc voilà c'est son heure. Et après j'ai juste décalé mes guerriers et mes immortels ici qui vont s'occuper de laver les 5 petits skitaris. Ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes, ça croustille sous la dent. Ok, donc là je vais activer mon Nightbringer, il va balancer son premier sort. Donc je vais cibler ces gars là, je vais jeter 3 dés sur chaque 4+, il prendra des 3 mortels. C'est parti sur les full grid priest. Il y en a qu'un qui passe. Il n'est pas vénère et ça fait qu'une mortelle. Ça fait. Fin open à 5. Ouh! Pop. Ah, il est où le Ptan là? Ok. Il est où le Ptan là? On est sur de la provocation. Alors du coup, on va avoir lui sur du 4+. Donc j'active évidemment son deuxième sort. Son deuxième pouvoir, pardon. Donc sur 9 pouces, il y a lui, eux, le châssis et les skitaris là-bas. Les petits guerriers. Donc en gros, notre personnage sur du 4+, il prend des 3. Oui, les full grits sur du 4+, ils prennent des 3. Oui, le châssis sur 4+, non. Les skitaris sur 4+, non plus. Donc, il y a juste les deux unités là. Le personnage qui va prendre des 3 mortales, yes. Une. Et les full grits qui prennent des 3, 3. Zut, alors 3 finopaines à 5. Ça, c'est sur les full grits. J'en perds 2. Oui, je prends. Full grits. Et il y a forcément un PV de perdu pour le perso. Ok, ici, notre ami va activer ses deux pouvoirs. Le premier, il va cibler cette unité-là qui a 12 pouces. Je vais jeter commandement 10 plus 1 des 6. Ça fait 1. Ça fait 11. Il va jeter commandement 7 plus 1 des 6. Donc 7 plus 1 des 6. Hein. Oui. Tu as fait 11, c'est ça? J'ai fait 11. Il faut que je fasse 4 sous 5 là, c'est ça? Ouais. Si tu peux faire 1 comme moi, ça serait stat. Voilà. Donc il fait 11 aussi, donc le sort ne fait rien du tout. Et du coup, tout colère, l'unité la plus proche c'est celle-ci, et sur du 3+, elle prend 3 mortales. C'est encore un échec, voilà. C'est complètement de la daube. Il se passe un truc, c'est complètement merdique. Ok, alors je vais commencer ma phase de tir en fait, et je vais activer les immortels en premier. Il y a 6 gars qui sont à courte, qui sont à 15 pouces de leur cible, qui sont les petits skitaris qui sont juste là. Et donc il y a 4 autres mecs qui vont tirer en cadence lente. Il me met moins 1 pour toucher puisque je suis à plus de 12 pouces et qu'il est Siggy. J'ai passé mon plus 1 parce que j'ai My Will Be Done, ce qui fait qu'en fait plus 1, moins 1, je touche à 3+. Pour le plaisir, je vais utiliser un point de com et mes 6 vont générer une touche supplémentaire.
parce que j'ai fait un petit peu de la merde et je sais que sur ce tour-là, il faut que j'assure les stats. Donc là, on vise lourd sur du 3+. C'est de la force 5 sur de l'an du 3. Ouais, on est donc sur du 3+. 3+. Et j'ai PA-2, mais il est dans un couvert. Donc ça fait de la PA-1. PA-1. J'étais à 4+, je passe donc à 5+. Oui. Eh ben j'en perds, ils sont morts. Ok, c'était tout juste, hein. Ça en a 6, ça passe. Fin de ma phase de tir, donc ça n'a pas été très glorieux. Enfin, je pensais faire plus de mortal avec les Ctans, ça n'a pas été le cas, ok, tant pis. Phase de tir, bon, en vérité, j'ai pas énormément de tir, mais je voulais sortir surtout cette petite unité annexe qui me permet de m'assurer l'attrition. Et là, maintenant, je vais venir à la bagarre avec les Ctans, c'est ça que vous voulez voir. Le premier Ctan qui est ici va charger ces deux glands de Breacher parce que ça fait plaisir. Donc c'est une petite charge, mais qui réussit à 10. C'est cool parce que ça va me permettre en fait de me téléporter ici. Donc ça je prends, je gagne du terrain. Et la charge de l'autre Ctan, c'est une charge à 8. Et je vais donc venir me mettre ici, tac. Et je vais pouvoir taper. Je vais activer le Ctan en premier. Donc en fait, je vais faire abstraction sur ce gland là. Je vais venir me mettre ici, taper avec les grosses armes sur lui, et lui je vais utiliser un point de com pour qu'il ignore les invulnérables de eux. Donc c'est comme ça que je vais procéder. Donc du coup je vous refais le point. Donc notre gros Ctan, il va jeter ses 6 attaques, il va toucher sur du 2+. Oh putain, il y a 3 as. Oh. Je vais utiliser un point de com pour rejeter je fais vraiment un tour de merde. Donc, allez, aïe 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 aïe. Allez, sur du 2. Ça fait 3 morts, net. Ouais, j'ai mon Field of Pain. Non, t'as pas de Field of Pain, t'as rien. Ah oui, c'est vrai, il est annulé. Du coup, je vais ignorer les invulnérables de eux, et eux vont prendre 5 attaques, qui vont toucher sur du 2+, et qui vont blesser sur du 3+. Donc là, c'est pareil, c'est 3 flats, ils sont morts, en fait. Ils n'ont pas d'invulnérables. C'est de la PA combien? C'est PA A, PA moins 3. Et ben, j'ai à 3+. T'as une 3+, ouais. Donc t'as 4 save à 6. Vas-y. 4 save à 6, je fais double 6, on n'en parle plus. C'est réglé. Oh là. Alors, ce qui me plaît, c'est que comme il m'en a laissé 3, je vais pouvoir taper. Si j'arrive à lui enlever quelques PV, 3, il faut que j'en enlève 3. Le tour d'après, avec une bonne phase de tir et une bonne phase de cac, je peux peut-être le faire sauter en alignant les planètes. Oui. Enfin, c'est le seul cas de figure où je peux le tuer, quoi. Oui, effectivement. Donc on y va, j'ai 6 attaques de fulgurite. Oui. Bless sur 3+, et puis c'est tout. Tout passe. Ils ont envie de taper dans le Ctan. On a une force de... pas assez, c'est rendu 7. Hein. Tu laisses à 5, oui, je pense. Ouais. C'est 7 ou 6. C'est 7. C'est du 5+. Et là, sur des 6, c'est des 3 BM. Aïe, 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 aïe. Bon, ça fait rien du tout. Grand bien lui fasse. Oh, quel lose. Voilà. C'est un peu couillu, mais comme je l'ai dit, il faut que je lui enlève 3 PV à cette phase-là pour qu'à mon tour, phase de tir 3 PV, refase de cac 3 PV, que j'arrive à le fumer. Donc, je claque 3 PC... pour refaire taper ces 3 pélos. Ça coûte cher, mais c'est le seul moyen que j'ai de me débarrasser. 7 points de com, tu tombes à 4. C'est ça. Donc on y va, on est encore sur du 3+. J'en rate qu'un. Là, on fait mieux que ça, je veux des 6 et des 5. On a vu à 4. Voilà, c'était 3 PC. Comme dirait Poulki. Bon, petit test de morale sur les fulguris qui méritent de crever. Parce que avec 2 phases de tir, rien faire du tout, c'est nul. 2 phases de crack. Hop, 2 phases de crack, pardon. Donc, si t'as raté l'attrition, ouais, et ben, du coup, t'as un mec qui meurt, ouais. Et t'as 2 dés. Vas-y, tu nous fais un 1 et un 2, ils sont morts. Bon, il m'en reste un. Il y en a qu'un qui reste. Bon, c'est lui qui va faire la game, je le sens. Fin de mon tour 2. Alors, clairement, j'ai pas été efficace, vraiment. Très très bas en termes de stats. Heureusement que j'ai réussi au moins à rip-hop pas mal de guerriers nécrons. Ceci étant, quand même, je vais mettre 3 points à l'attrition. Je lui enlève donc, aussi. 3 points à l'attrition, puisque je lui enlève le pack de Skitari et les 2 Breachers. Donc ça, c'est bien. Et lui m'a enlevé que Illuminor Zvera, donc je mets plus de kills que lui. Ensuite, il n'y a pas personne de son armée dans ce quart de table-ci. Donc en gros, je vais mettre 2 points pour le fait qu'il n'y ait personne ici. Il a ce personnage-là qui vraiment lui permet de m'empêcher de... Enfin, qui tient ce quart de table là-bas. Donc en gros, je mets 3 points d'attrition, 2 points de quart de table et je finis mon tour. Je repasse la main à Tildus. Alors, début de mon tour 3, je suis en phase de commandement. Je retiens 2 objectifs, donc je refais 10 points de primaire. Je tiens toujours un objectif du milieu de table, donc dans les objectifs secondaires, ça me redonne 2 points, donc je suis à 12 points en plus. Et maintenant, je vais donc activer encore Divination du Magos ici pour avoir le Daka sur du 6.
Et comme quantique, je vais lancer un dé de manière aléatoire. Parce que... Je relance 6. C'est un dé 2 que je voulais récupérer. Donc je pourrais relancer les 1 au tir. Alors, j'ai dû faire des choix un peu difficiles. Au final, j'aurais pu venir ici commencer à cleaner un peu les guerriers avec mes Rustalkers. Alors, ça fait une charge à 9. Relançable, c'est un peu chaud pour aller là. Et puis, je vais pas y arriver au premier tour. Je vais peut-être y arriver au bout du deuxième ou troisième tour. Donc, tant pis. J'abandonne cet objectif. Je ne peux pas l'avoir. Il va rester dessus. Il va me cloquer. Enfin, il va me coincer mon Dune Rider jusqu'à la fin de la partie. Par contre, je vais essayer de scorer un maximum avec eux pour faire le sur tous les fronts. Donc c'est sûr, ils vont tenir à la fin du tour. J'aimerais bien qu'ils tiennent un tour de plus, parce qu'au final, il n'y a que cette unité d'immortelle qui pourra sortir et tirer dessus. Donc si je peux faire sur tous les fronts 2 tours de suite avec eux, ils me rapporteront quand même 6 points. Ça sera mieux que de venir perdre du temps sur cet objectif. Ensuite, j'essaye de consolider celui-là. Alors je vais essayer de me préserver du Ktan, donc je vais essayer de le grignoter et puis encaisser ce qu'il va me mettre dans la moulasse. Mais l'idée, c'est quand même de tenir le quart de table avec ce Fulgurite et de tenir cet objet le plus longtemps possible. Et j'ai déplacé les désintégrateurs et le Nager pour essayer de faire un point d'attrition, je n'y crois pas trop, mais on va voir, avec cette unité d'immortel qui se trouve dans le coin au fond à droite. Et pour finir, j'ai fait revenir des réserves stratégiques à ma petite unité de Skitari qui va activer les brouilleurs et du coup j'aurai mes 10 points de brouilleur vu que je les ai activés dans chacune des zones du champ de bataille. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Ben on recommence, c'est-à-dire que les Balistari vont tirer sur le Ktan et lui enlever 3 PV au max qui vont revenir et il va venir me caquer. Mais bon, pour la symbolique, ça fait toujours plaisir de tirer. Ok, bah forcément, hein, ça touche à 2, ça blesse à 3, ça fait des 6 damage. J'ai reperdu 3 PV sur mon Ktan qui fait qu'il ne lui reste plus que 5. Alors, on va faire tirer le Nager et le Désintégrateur avec toutes leurs armes directement sur les Immortels. Il m'aura donc enlevé 2 immortels, il y en a un qui arrive pop et du coup je l'ai avancé un petit peu pour regagner du terrain. Alors maintenant, l'arme sans ligne de vue Belleros va tirer sur le même pack d'immortels et tout le reste va tirer sur le Deceiver. Oui. Pour essayer de lui enlever ses 3 PV magiques. Nightbringer celui-là c'est. Nightbringer, c'est pas le Deceiver. Ouais. Alors j'ai mis des grosses patates sur le Nightbringer. Tu lui as enlevé ses 3 PV de la face. J'ai enlevé ses 3 PV. Ça fait plaisir. J'aurais pu lui en enlever 4 fois plus, mais il va en perdre que 3. Et t'as enlevé un immortel aussi. Voilà. Et je vais tirer donc avec Simrest, c'est-à-dire les 4 Breachers sur les immortels. Oui. Et pareil avec, je vais commencer par le Dune Rider qui a une moins bonne ligne de vue, donc lui aussi sur les immortels. Yes. Alors l'histoire de ma vie sur cette partie. J'ai tué, il est revenu, il s'est redéployé, c'est comme si j'avais rien fait et c'est comme si c'était avancé pendant ma phase de tir. Nickel. J'ai fini ma phase de tir, début de la phase de cac. Et ben ce qu'on va faire, c'est que les Breachers et le Dune Rider vont charger sur le Ktan. Mmh. Il va me ratiboiser, mais s'il reste une unité, il va désengager, il pourra pas faire toutes ces petites BM avec ses pouvoirs psy. Et en plus de ça, je vais tenir l'objet. Donc ça fait plaisir. On va tailler sec. Bon, c'est parti pour le gros câlin des familles. Hein. J'ai tout mis dessus et je vais prier le Seigneur pour qu'au moins une unité survive, pour que je puisse garder l'objet. Mais a priori, il va pas tout me fumer d'un coup. Il va devoir éparpiller ses attaques et c'est le but du jeu. T'actives en premier qui ça? Je vais activer les Breachers. Ok. Alors, j'active les Breachers, ils ont 3 attaques chacun. Maintenant, ils tapent pas forcément, ils touchent sur 4+. Heureusement, j'ai mon petit perso qui était là pour buffer les Fulgurites et qui a du full reroll au cac. Donc je vais pouvoir faire du full reroll sur les attaques de Breachers et ça c'est plutôt cool. Donc c'est sur du 4+, full reroll. Et ben, hop, hop. Ça mange pas de pain. Ouais, ça on prend, on relance tout. Et on va même chercher 4 touches de plus. Merci le petit Ingencer. Il est bien. On est sur de la force de 5 plus un 6. On s'en fout, c'est dans du 7. Donc on est sur du 5+. Oui, monsieur. Et en général, je suis pas bon sur les 5+ avec tes dés. Je veux plus jouer avec tes dés. 3 sauvegardes à moins 1. Un vu à 4, messieurs, dames. Oh non. Oh, le cadeau. Ok, donc il a perdu. Il vient de repérer 3 PV. Donc il a perdu au total 6 PV. Il lui en reste plus que 3. Je vais donc l'activer. Ça sert à rien qu'il fasse taper en fait les deux autres puisqu'il peut pas m'enlever de PV supplémentaires. Néanmoins, je vais quand même tabasser les 4 Breachers parce que ça me fait absolument plaisir. Et puis voilà. Donc, c'est de la troupe OP. Hein. C'est de la troupe OP, exactement. Donc je vais les attaquer avec les grosses tartines. Je vais le toucher sur du 2+. Cette fois-ci, il n'y a pas 3 As. Donc ils vont souffrir. Et je vais les blesser sur du 2+. En du 5, t'as une force de 2. Il y a 3 As encore. Oh yes! Il m'en reste. Je vais utiliser un point de com pour relancer celle-ci. En phase de cac, ça passe. T'as déjà relancé pendant la phase de cac? Non, j'ai rien relancé. Non, t'as pas relancé la sauvegarde. Donc, il y en a 4 qui passent. Il n'a pas de sauvegarde. Il n'y en a pas qui sont amochés. Donc là, ils sont nets. Donc, je vais commencer par le premier DC Damage. Allez. Yes!
DC damage, ça fait un mort. DC damage, deux morts. DC damage. Oh, il en reste deux. Là, 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 là. Deux morts. Oh, et le ctan en mousse. Le ctan en mousse. Ah ouais, le ctan des. Le ctan des bois, quoi. Fin de mon tour. Il me reste juste un petit test de commandement à faire ici. J'en ai perdu deux. J'ai un commandement de 7 ou 8. Oui, 7. De 7. Donc sur un 6 magique, c'est la lose. Voilà, c'est la lose. Il repère un breacher. Non, parce vengeance que vengeance pour mon temps. Non, on va je peux pas claquer un point de com là-dessus. Si. Si, tu peux relancer un test de morale. Tac. Parce que là, sur le 1 magique, je perds les breachers. Tu perds un breacher qui a perdu. Ouais, non, il faut. Je claque un point de com pour le relancer. Mais t'as le droit. Oh, oh yes. Et je suis le 1 reroll 1, le 6 reroll 6. Il y a qui ici que je fais ça là. Ça, hein. C'est pas une reroll maison ça. Alors du coup, il m'en reste plus qu'un. Ah oui, sur... putain, mais c'est vrai, du coup, tu perds un mec. Mais oui, mais c'est, et pour ça que je voulais... c'est pour ça que je voulais pas le rater. Et sur un 1 ou 2, tu repères. Oui. Non, mais tu le mérites tellement. Revoir le 1 ou 2. Donc là, attends, on résume. Ce qui se passe, c'est que je vais résumer, t'inquiète. Lui qui est déjà blessé, on est d'accord, il saute. Donc lui, il vient de mourir. Et t'as un test d'attrition, du coup. Ah oui. T'es en demi-force, pas. Donc sur un 1 ou un 2, c'est gala est mort. Tu sais que tu vas le faire le 1. Alors. Après 2-6, il y a toujours un 1 qui sort. C'est obligatoire. Là, normalement, si tout se passe bien, si le karma est bon, je ne refais pas de 1. Yes! Aïe, aïe, aïe! J'y ai cru. Ah, donc, j'ai un breacher qui reste. En termes de scoring, je suis bien parce que je suis dans les 4 bords de table. Donc, je refais 3 points. Je devais faire les brouilleurs. Donc, comme j'ai activé cette points, figurine, ouais, je me fais 10 points flat d'un coup. Solide, le gars. Donc, on est à 10, on est à 13 points en secondaire. Et ça, ça fait du bien. Je tiens fermement 2 objectifs. Pas longtemps parce que Nightbringer va se réveiller. Il va se vénérer. Et bon. Il y a un moment, il va faire des trucs, ce Nightbringer. Il y a un moment. Ouais. Et là, je suis plutôt content parce que du coup, t'as pas l'objet. Ok. Ok, début de mon tour 3, phase de commandement. Je gagne un point de com, j'étais à 5. Je passe à 6. Ensuite, je vais activer mes auras. On se projette sur la table. J'ai mon Cryptek ici qui va faire regagner des 3 guerriers sur cet objectif-là. Ça fait 3. Du coup, il repasse presque à full effectif. Ok, ensuite, mon patron qui est là va donner My Will Be Done. Donc, le plus 1 pour hit à cette unité-là et aussi à mes guerriers ici, à mes immortels, puisque My Will Be Done, il a une aura 12 pouces grâce à son trait de seigneur, donc ça c'est bien. Ensuite, les aptitudes de métal vivant, donc lui va récupérer un PV, et le Nightbringer va aussi récupérer un PV, donc ça c'est fait, et on passe immédiatement à ma phase de mouvement. Et évidemment, je mets 10 points de primaire. J'arrive donc à la fin de ma phase de mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un truc un peu stylé, un peu swaggy. Alors, globalement, on va commencer par Tonton le Deceiver, à qui il reste 3 PV. Il reste encore 6 PV, donc il va falloir 2 phases pour le buter, cet animal. Globalement, je me suis mis ici. Mon objectif, c'est de venir tabasser ces gars-là, leur balancer des mortels et après de contacter ce véhicule-là. Comme ça, ce véhicule ne pourra pas tirer. Sauf qu'il me semble qu'il a un stratagème pour désengager tirer, mais au moins, ça lui fera utiliser des points de commandement. Ça, ça me plaît. Ensuite, ici, notre ami qui est là est resté au corps à corps. Il va envoyer de la mortelle en bulle et il va envoyer des... Ouf, il va faire mal. Il va faire mal. Je le dis depuis le début de la partie. Il y a un moment où ce gars-là va se vénérer. C'est pas encore arrivé. Ça peut arriver maintenant. Les gars et Nécron qui sont là-bas ont avancé. Le but, c'est de tambouriner Archibald qui a mis son coin de nez sur un objectif et surtout de venir contacter ici le véhicule pour toucher l'objectif et le prendre au nez et à la barbe de mon adversaire. Mon gros pavé de Nécron ici, qui est presque full regen, je crois qu'ils sont 19 sur les 20 initiales, à avancer un tout petit peu pour commencer à prendre du terrain, profiter un maximum du bloquant, être content d'être heureux. Eux ici, lui a légèrement bougé, notre ami qui est ici a légèrement décalé aussi, et les immortels et leur copain, le garde royal, qui a toujours pas utilisé sa petite aptitude des familles, eux, ils vont se farcir ces 10 petits PV de loustique. Évidemment, fin de phase de mouvement, on va activer les Ctans. Donc le Ctan, il est resté au corps à corps, il peut envoyer ses sorts. Il est bien spécifié dans sa règle que s'il a Advance ou battu en retraite, qu'il peut pas les faire. Donc il va faire son premier, c'est en bulle à 9 pouces. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 unités à 9 pouces. Donc on va commencer déjà par lui, le Flugrid tout seul. Sur un 4+, il prend sa mortale, non. On commence bien. Le Breacher tout seul, sur un 4+, non. Yes. Le personnage qui est là, sur un 4+, non. Yes. Le véhicule sur un 4+, yes. Non. Ce véhicule-là sur un 4+, oui, bon, ah c'est non, génial. Non. D3 sur lui, ça fait 3 mortels sur ce véhicule-là. Bon, bah c'était pas terrible, ok, ainsi soit-il.
Donc il reste, je mets des dés pour ce qui reste, d'accord. Ouais. Il reste 9 PV. Le deuxième sort du temps, je vais cibler le Breacher. Je vais jeter 3 dés sur du 4+, il prendra des 3 mortales. C'est parti. Aïe. Ok, il va prendre 2 des 3 mortales. Ok, il est mort. Donc c'est bon, il n'y a plus d'OP++ sur cet objectif. C'était ce qu'il me fallait. Oups. Ok. Notre ami qui est ici va cibler les Balistari. Je vais rajouter un des 6 à mon commandement. J'ai un commandement de 10. Allez, un petit truc un peu stylé. Ah, aïe, 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 aïe. Ça nous fait 16. Et lui, il a un commandement de 8. Ouais. 8 et un 9. Ça ferait 7 mortels. Oh, aïe, aïe. Avec un as, tu prends 7 mortels. Ah, oh, bon, c'est beau. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, 5, 13, 16. Je perds 3 PV. Tu perds 3 PV sur un châssis. Franchement, je prends. Ok, deuxième sort de mon temps. Je vais cibler l'unité la plus proche à 24 pas. Bah, les deux ici, je me suis mis à équidistant pour la charge. Donc, je vais cibler celle-ci, unité-là. Et du coup, bah, sur 3 ou plus, il prend 3 mortels nets. C'est très bien. Ce qui, normalement, détruit un châssis. Ouais. Est-ce qu'il explose? On va savoir ça tout de suite. Vas-y. Je suis un spécialiste pour faire exploser, voilà. Il a fait exploser. Un PV. On s'en rappelle, toi t'es bon sur l'explosion. Donc tu prends un PV et je prends un PV aussi. Donc là, je vais utiliser un point de commandement pour jeter aléatoirement un nouveau pouvoir avec mon temps. Là, clairement, j'ai beaucoup de véhicules autour de moi. J'aimerais faire de la mortale pour faire plus de dégâts. Donc en gros, bah, je vais utiliser ce point de commandement sur lui. J'étais à 6 points de com, je passe à 5. Je vais faire le sort numéro 6, qui est décharge transdimensionnelle. Donc, choisissez une unité ennemie à 24 pouces et visible de cette écharde Ktan. Je peux pas cibler un personnage. Et sur un 2+, l'unité subit D3 blessures mortelles. Puis jetez un D6 pour chaque autre unité ennemie à 3 pouces de l'unité choisie. Sur 4+, l'unité subit une blessure mortelle. Donc, en gros, je vais cibler une unité ennemie à 24 pouces et faire en bulle de la mortelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cibler eux. Donc, ouais. Sur du 2+, tu prends D3 mortelles. Il me faut pas d'as. Ok. Tu prends D3 mortelles. T'en prends 2. Et du coup, donc lui prend 2 mortels. Donc, il en a perdu 3. Ça fait plaisir. Et ensuite, cette unité-là sur du 4+, elle perd un gars. Oui. Et cette unité-là sur du 4+, non. Et on est pas mal. Phase de tir, donc globalement, on va faire léger hors champ, mais pour vous signifier un petit peu ce que je veux faire, j'ai mon pack ici à la fois d'immortels sous My Will Be Done, plus mon garde royal qui va tirer là-dedans, le but étant de les tuer et au pire de venir les charger pour enlever quelques PC, quelques points de vie, pardon. Et ensuite, on va avoir les immortels qui sont là-bas, que vous avez juste ici, qui eux vont tirer sur Toto l'artichaut. Et ensuite, je vais déclarer des charges. Donc, le Ktan ici va venir charger les canons laser. Et après, les immortels vont venir charger là-bas. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Du coup, fin de ma phase de tir, j'ai réussi à enlever le full grit qui était juste là-bas. Il est décédé et je n'ai enlevé que deux gars ici. Je pensais que notre ami le Royal Warden ferait un petit peu mieux, mais ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai enlevé deux gars et un PV. Ce qui peut me compliquer la chose, parce qu'en plus il va occuper correctement les cartes de table et ça, ça m'embête. Mais ça ne va pas durer. On passe immédiatement à ma phase de charge. Phase de charge, donc là, c'est la grosse bagarre. Ici, mon Ktan qui est juste là va déclarer en charge les châssis qui sont ici. Là, je vous fais la charge sous vos yeux ébahis. C'est une charge à 11, donc ça va le faire. Dans la foulée, je vais vous faire les autres charges, à savoir les immortels que vous avez juste là-bas qui vont charger sur le châssis qui est là. C'est une petite charge à 8, elle passe. Donc ça, c'est cool, je vais pouvoir récupérer mon objectif. Et ensuite, de ce côté-ci, j'ai mes immortels qui vont charger sur ces gars-là. Donc la charge à 6 ici passe. Du coup, mes loustiques vont venir se mettre ici. Et je vais essayer d'appuyer le clou avec l'immortel qui est derrière, enfin le garde royal. Lui, pour le coup, c'est une charge à 9. Et ben lui, ça ne passe pas et je vais avoir fini ma phase de charge. Oui, mais moi, je vais intercepter avec les balistari et je vais claquer mes deux derniers points de com pour non seulement tirer en état d'alerte, mais tirer avec une CT de normal. Ah, c'est normal, c'était normal. C'était normal, oui. Aïe, aïe, aïe. On y va. Je vais tirer avec ma balistari. Alors, j'ai tiré avec ma CT normale, mais j'ai quand même le moins 1 pour le toucher, donc je touche sur du 4+. Yes. J'ai la relance du 1 côté, non, c'est en phase de tir, la relance D1. Donc là, ça marchera pas. Par contre, le DACA de son trait de seigneur de guerre, lui, il fonctionne tant qu'il est actif. Donc les 6 explosent. Mais j'ai pas la relance. Si, j'ai la relance D1 pendant toute la phase parce que je suis sous le cantique. J'avais oublié le cantique. T'as mis le quantique de relance D1? Oui, je l'ai relancé au hasard et j'ai le quantique de relance D1. Ok, ça marche. Donc on est sur du 4+, relance D1. Oui, monsieur. Avec du DACA. Alors, j'en passe 3, mais je veux du DACA. Allez, zut, que 3. Force de 9, on est sur du 3+. Oui, monsieur.
2 sauvegardes à moins 3. Un vu à 4. Allez, mon petit Ctan. Yes. Je vais utiliser un point de com et je vais la relancer. Oh, le yes, cochon. Papa. Ça m'a coûté un point de com, mais je l'ai bloqué. C'est parti. Ok, donc lui, je vais l'activer. Je vais utiliser un point de com pour ignorer les invulnérables parce qu'il a des invulnérables à 6 avec ces gars-là et je veux pas qu'il me tanque des blessures puisque je fais 3 mortal, 3 wounds à chaque damage. Donc c'est important de bien tous les garder. Je vais avoir 5 dés. Je vais le toucher sur du 2+. Je vais utiliser encore un point de com pour relancer celle-là. Oh là 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 là, c'est dur, hein. Les dés nous trollent sur cette partie. Et là, par contre, c'est que sur du 4. Donc là, c'est beaucoup moins drôle. Ça, c'est cassé. Oh, le cochon. Et bah, cochon. Ça fait, bah, il n'y a pas d'invu. Ça a une save à 4. Donc, GP à moins 3. Ça t'annule ta sauvegarde. C'est ça. Donc, ça fait, lui, il avait perdu 3 PV. Donc, oui, il meurt. Fini. Est-ce qu'il explose? Il n'explose pas. Tu m'as fait peur. Et lui, du coup, prend les 2 x 3. Donc, lui, ouais, il meurt donc, aussi. Ouais. Est-ce qu'il explose? Je suis des fesses quand il fait. Oh oui, c'est bon. Non. Ok. Donc lui a tapé, eux sont morts. Ok, donc on a fait la fin de phase de corps à corps. Globalement, on va venir sur ce qui s'est passé là-bas. Mes guerriers ont chargé et sont venus agripper le châssis en posant une papatte sur l'objectif. Et le Ctan, lui, j'ai mis tout sur le personnage là pour être sûr de le tuer. Et après, en fait, je suis venu me positionner pour graber le châssis. En fait, le châssis, du coup, ne peut pas passer en ligne droite, ne peut pas quitter le corps à corps. Du coup, je suis au chaud au corps à corps. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà pour ça. Ensuite, eh ben, on va arriver à la fin de mon tour. Il occupe tous les quarts de table. Ça, j'ai rien pu y faire puisque j'ai pas réussi à tuer ces deux gars-là et il a son châssis qui est dans l'autre quart de table. Donc, je mets pas de points sur le quart de table. En revanche, je tue quand même pas mal de trucs parce que j'ai tué les breachers, le perso et l'autre artichaut farceur tout seul. Donc, je mets 3 points à l'attrition. Et là, cette fois-ci, je vais mettre 6 points sur les véhicules. Donc, ça, c'est canon parce que j'ai tué 3 balistari. Donc, ça me met 6 points sur les véhicules, ce qui fait 9 points de destruction sur ce tour-là. Et ce qui est encore plus sexy, c'est que là, je vais lui bloquer son primaire sur son tour 4, potentiellement 5, ainsi que son secondaire. Donc là, ça commence à être intéressant. Alors, ça commence à devenir un tout petit peu compliqué parce que je commence à être en PLS au niveau des primaires et ça, c'est gênant. Donc là, au début de ma phase de commandement, je ne tiens qu'à 100 l'objectif. Je fais donc 5 points. La mission secondaire qui me demandait de tenir les objectifs de milieu de table est perdue. J'ai rien tenu du tout. Donc, je ne fais que 5 points. Maintenant, j'ai encore de la ressource pour faire les quarts de table et pour lui empêcher, lui, de scorer sur les quarts de table que je ne tiendrai pas. Et en termes d'attrition, ça va être compliqué parce que les Ctan m'embêtent. Et j'aurais bien voulu finir le Ctan ici avec le tir de contre-charge des balistari. J'y ai beaucoup cru. Oui. J'ai rien fait du tout. J'ai et du coup, ça m'embête beaucoup là. Ok, on se retrouve à la fin de ta phase de mouvement. Alors, on est à un moment charnière. On est au début du T4. Je dois avoir autour de 43 points. T'en as 37. On se tient à pas grand chose. Le problème, c'est que t'es en train de prendre la table. Tu vas te faire, je pense, les 15 points de secondaire deux fois de suite. De primaire. Ouais. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est grappiller un maximum de points. Donc, j'ai fait venir le désintégrateur ici. Je vais essayer donc de charger là, de tirer au cac avec le désintégrateur. L'idéal, ça serait d'enlever un maximum de guerriers pour peut-être au T5, récupérer cet objet. J'y crois moyen parce que le Ctan ici va me ravager la tronche, mais bon, je peux pas faire autre chose. Ici, j'ai mis des Rustalkers. Je ferai rien avec eux. L'objectif, c'est qu'ils me donnent les 4 quarts de table. Donc j'aimerais bien qu'ils vont tenir, mais ils vont mourir au T5, donc j'aurai plus les 4 quarts de table au T5. Et là, l'objectif, c'est de quand même garder 5 points en primaire, donc je vais tout faire rocher sur lui, il y aurait 5 PV, donc je vais essayer, ça devrait le faire, de lui enlever les 3 PV au tir, et je vais tout charger pour lui retirer les 2 derniers PV au cac. Il est chaud, vas-y. La phase de tir, elle est stéréotypée au possible. Ici, je tire dans le cac. Ici, je tire dans le cac. Lui, va tirer un peu là, pour se faire plaisir. Ça mange pas de ou pain. Plutôt sur lui, si j'arrive pas à finir les 3 PV. Oui. Et tout ce petit monde, sauf lui qui a désengagé, vont tirer sur... Le Deceiver, on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Alors, j'ai une petite montée d'adrénaline. Pourquoi ? Ici, j'ai changé mes plans. J'ai fait tirer le Doom Rider directement sur le Deceiver et, miracle, je lui ai enlevé 3 PV. Deux. Il lui reste un PV que je peux lui faire au cac. Et ensuite, le deuxième vilain Ctan, je lui ai envoyé tout ce que je pouvais. Je lui ai envoyé les 3 PV qu'il fallait. Il lui en reste plus que 2. Oui. Il reste 2 ici, 1 ici. Aïe, aïe, aïe. On y va. Aïe, aïe, aïe. Ok, et ben du coup, ça va être forcément la phase de charge. Globalement, tu l'as dit,
notre ami qui est ici va charger dans les gars qui sont là. Non, je charge le Ktan. Ok, juste le Ktan. Et après ici, ça va charger ce Ktan là. C'est parti, c'est donc le Dominus qui va taper sur 4 gros coups, 3 gros coups de hache là-dessus avec moins 1 pour toucher. Donc il a une CT de CC de 3+. Qui passe à 4. Qui passe à 4+. Et là, il faut pas se rater là. Aïe, 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 j'ai même pas de point de com pour relancer un petit. On est sur de la force de plus 1, de 5, c'est sur du 5+. C'est sur du 5. Ça sent le pâté. Hein. Aïe, 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 le pâté. C'est raté, ça pue. Du coup, de mon côté, je vais utiliser 2 points de commandement et je vais activer mon Deceiver qui va taper dans ce châssis-là. J'ai donc 6 attaques qui vont toucher à 2+. Ok, il y a un as. Et j'ai maintenant 5 attaques, j'ai force 12. Sur du 6 de plus. Sur du 2 plus. Forcément, ça rate. Il n'a pas de sauvegarde, CP à moins 4. Donc, il n'a pas d'invue, il n'a rien. Et c'est 3d6. Aïe, 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 aïe. Et bah, écoute, il en prend beaucoup. Le truc, c'est que qu'il explose sur un 6. Ah, puis j'avais un petit stratagème pour le faire péter. Mais t'as plus de point de com. J'ai plus de point de com. Le 6 magique, c'est là qu'il faut faire un 6 pour exploser, là. Ah, punaise. J'ai sué des fesses. Non, j'explose jamais quand il faut. Là, maintenant, il va pouvoir activer tout ce qui a chargé. On se retrouve, savoir s'il a réussi à tuer le Ktan. Je me suis raté. Il s'est raté, il me l'a laissé un PV. Et c'est ces 4 petits Rangers là qui ont réussi à enlever le PV du corps à corps. Donc, il lui reste un PV. Et ici, il me reste un seul PV. Et c'est donc le châssis qui a 3 attaques, qui touche à 6. Ah, c'est les dés de la game, là. C'est les dés de la game. Ou pas, d'ailleurs. Peut-être pas, mais au moins les dés de pas trop perdre. Aïe, 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 double 6. Double 6. Oh, qu'est-ce que c'est joli. C'est beau. On est sur de la force de 6, de 7, parce que je suis sur le quantique qui donne plus 1 en force. En du 7, c'est sur du 4+. Aïe, aïe, aïe. Pete, te chie pas dessus. Aïe, 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 aïe. Double aïe. 4. Un vu à 4 de mon côté. Oh, le double cochon. Double 6. Ah, le cochon. On n'est pas au temps pour rien. Et c'est tanké au corps à corps. C'est la guerre, c'est la bagarre. Cochon. Alors, je revis la même chose que j'ai vécu quand j'étais venu avec mon admec contre Tyrant N, où j'avais laissé un répulsor à un PV, un autre répulsor à un PV, et puis j'arrive pas à retourner la game. Ça recommence avec des Ktans. Je laisse ce vilain Ktan à un PV, il me fait un double 6 sur sa sauvegarde d'invue, c'est dégueulasse. Et il reste celui-là qui reste un seul PV. J'aurais voulu le finir ce tour-là. J'espère les avoir le prochain tour. Sinon, en termes de scoring... je tiens. Je fais les cartes de table encore parce que mon Dune Rider a tenu. Les Stalkers sont bien là, donc 3 points en contrôle map. Et puis c'est tout. Ok, début de mon tour 4, j'étais à 1 point de com, je repasse à 2. Je vais immédiatement activer différentes aptitudes. Je rappelle que pour le protocole de ce tour-là, j'ai plus 1 à ma phase de mouvement. Enfin, j'ai choisi cette directive-là néanmoins. Alors, au niveau de mes aptitudes, globalement, j'ai mon Cryptek ici qui va utiliser son protocole de réanimation et qui va relever des 3 guerriers dans cette unité-là. Ça nous en fait 2. Ok, ensuite, notre ami qui est ici va donner « My will be done » sur cette unité-là. Donc eux toucheront à 2+. Et après, au niveau de 2 autres aptitudes via la phase de commandement, en vrai, j'ai pas grand-chose de plus à faire et je vais pouvoir immédiatement attaquer ma phase de move. Ok, donc fin de ma phase de mouvement. Globalement, j'ai avancé un petit peu ma phalange Nécron, j'ai laissé mes personnages sur l'objectif. L'idée c'est d'avancer tranquillement. Ici, je vais me charger de me farcir ces 2 loustiques. Je les ai ratés au tour précédent, ça n'arrivera pas 2 fois de suite. Enfin, je l'espère. À chaque fois que je dis ça, je fais de la dumps, donc voilà. Bon, ils ont fait le taf. Hein. Ici, je vais rester au corps à corps. Le Ktan va balancer de la mortale et puis on va essayer de se saigner ce châssis-là. Puis après, ce Ktan-là, il sera rest in peace. L'idée aussi ici, c'est potentiellement de garder au moins 1 point de com pour enlever les invulnérables, pour être sûr en fait de rester au corps à corps et tuer des trucs, faire des trucs stylés. L'idée c'est faire des trucs stylés, on va les faire de suite d'ailleurs les trucs stylés. Alors... sur ce personnage là, 3 mortales, ici, sur un 3+. Ok, donc lui prend 3 mortal wounds, t'as pas de fin de paye. Il a 5 PV, il en reste plus que 2. Donc il lui reste plus que 2 PV, ça c'est son premier sort. On va faire Mumuse avec eux, du coup eux, je vais faire mon commandement plus un des 6. Ça fait 2, ça fait commandement 12. Eux, ils ont un commandement à 7, 8 avec le data câble. Ok. Qu'ils ont. Oui. Qu'ils n'ont pas. Mais c'est lui qui donne à 3 pouces, oui. Donc il est trop loin. Donc c'est un commandement de 7. 7 et 2. 9. 3 morts à la mortale, ça refait 3 mortales. Je vais utiliser, il me restait 2 points de commandement, j'utilise 1 point de commandement pour rejeter un pouvoir de Ktan avec notre ami qui est ici. Ça va être le pouvoir numéro
5. Le pouvoir numéro 5, c'est assaut sismique. Je choisis une unité ennemie à 18 pouces et visible de l'écharpe de Khtan. Je jette un des 6 pour chaque figurine de l'unité en ajoutant 1 au G si je suis dans un crypte Tesseract, ce qui n'est pas le cas. Pour chaque résultat de dé de 6+, l'unité subit une blessure mortelle jusqu'à un maximum de 10 blessures mortelles. C'est un truc contre la masse. Donc en vrai, c'est nul. Mais du coup, je vais le faire dans le perso qui est là. Ok, mon day de l'osus. Voilà, ça ne fait rien. Ok, donc c'était un point de com pas rondement investi, mais c'est pas grave. Et après, je vais juste faire le Khtan, le Nightbringer. Lui, 3D sur le châssis. Allez, ce serait bien qu'il déclenche la foudre maintenant. Sur du 4+, il y en a qu'une. Non, ça fait D3 mortal. Ça refait 3 mortales sur lui. Donc, il en a perdu 4. Et après, sur un 4+, il en reprend D3 puisque c'est le sort en bulle. Donc oui, ça passe. Et sur du... Je ne vois pas, et ça refait une. Donc il a pris 4 mortales sur la phase de Khtan. Ok, donc là, globalement, à la phase de tir, j'ai pas grand chose à faire, hormis tirer ici sur ces gars-là. Ok, ça c'est le seul truc que j'ai à faire. Et après, je vais les charger. Donc je vais charger là-dedans. Je vais aussi ici, pourquoi pas, rien faire. Non, donc après, j'ai pas d'autre charge. Et après, on va taper. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin de mon tour. On va arriver à se retrouver à la fin de mon tour 4 pour faire le point sur ce que j'ai réussi à détruire en phase de corps à corps. Ok, donc on arrive à la fin de mon tour. Globalement, j'ai laissé ce gars-là à 1 PV, ce qui fait qu'il va m'empêcher de mettre 2 points sur ce quart de table-là. C'est plutôt sexy. C'est chouette. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on va avoir ici un véhicule qui s'est fait atomiser, clairement. J'ai eu chaud aux fesses parce qu'en fait, il a réussi à m'enlever 1 PV en s'activant avant. Du coup, il ne reste plus qu'un PV sur le Khtan. Ah, je continue de laisser 1 PV. Et s'il explosait, potentiellement, il me le tuait. Ça va, il n'a pas explosé, donc voilà. Je n'ai rien fait exploser. Ça, de toute c'était chaud time. Ici, le châssis, il lui reste 2 PV. On l'a grignoté vraiment toute la partie tranquillement, sans se presser. Ouais, mais lui, je voulais qu'il explose depuis longtemps. Et ici, j'ai réussi à enlever le gros patron. Et puis, il me reste 2 PV encore sur lui. Il est resté, ouais, il a là, pas bougé. C'est fichu parce que je vais tirer au cac avec le désintégrateur et finir un Khtan. Aïe. Fin de mon tour. Alors globalement, au niveau du scoring, je vais faire l'attrition puisque j'ai tué 2 unités et plus, et que Tildus m'avait rien tué, donc je remets 3 points à l'attrition. Je vais mettre 2 points sur les quarts de table puisqu'il y a un quart de table qui n'est pas occupé par mon adversaire. Et après pour les véhicules, je remets 3 points puisque j'ai encore cassé un véhicule et je tiens globalement 3 objectifs. Donc mon adversaire ne mettra que 5 points sur sa dernière phase d'objectif primaire. Alors, à la fin du 4e round, il y a 63 points pour toi et 50 pour moi. Ça y est, clairement, je pense que je vais perdre, mais l'idée, c'est de partir avec honneur. Donc là, je récupère encore 5 points de primaire, donc je passe à 55. Maintenant, ce que je veux faire, grâce à ce petit personnage-là, donc je le répète, le stalker, c'est cool. Il va encore me faire les quarts de table, donc je vais le déplacer sur le côté, il va mourir, mais il aura scoré jusqu'au bout les quarts de table. Ici, je vais utiliser le cantique de Stygis que je vais activer, je vais le choisir, qui permet de désengager avec un véhicule et de tirer. Pourquoi ? Parce qu'il lui reste 2 PV. Je peux pas tirer au cac parce que ces deux armes sont des armes à blast, à déflagration. Donc je peux pas tirer au cac. Donc je vais désengager et lui défoncer la gueule avec tout ce que j'ai. Et c'est sûr de chez sûr, je vais défoncer les 2 Khtan. Vas-y. Alors phase de mouvement, comme prévu, mon fier et courageux stalker va aller loin, très loin, très très loin. Marquer son quart de table. Marquer son quart de table et mourir, parce qu'il va finir par mourir. Ici, j'ai désengagé et j'ai rapproché l'Onegger pour prendre l'objectif. Et puis avec mes 3 gros châssis, on va péter le Khtan ici, péter le Khtan ici. Alors, je vais faire tirer le Balistari là-dessus. Oui. J'ai claqué 1 point de com pour avoir le plus 1 pour toucher, mais plus 2 avec le data câble. Donc même, comme j'ai moins 1, ça me donne plus 1. Donc c'est du 2+, et pas de reroll. Donc c'est 2 coups de canon laser. Tout passe. C'est propre. On est sur de la force de 9, on est sur du 3+. Et voilà, c'est magique. C'est magique. Ok, suivant. Personnage suivant. Alors, l'Onegger va tout tirer là-dedans. Bah, son canon, déjà son gros. Donc le gros canon, le D3 tir. Moins 1 pour hit, attention. Hein. Et je fais qu'un tir. Un tir, ah, moins 1 pour hit. Ah, mais je fly, du coup ça t'annule le moins 1. Hop, par contre, je cible cette unité avec lui. J'ai oublié de le dire. Hein. Oui. Lui, il cible ici pour avoir le plus 1. Oui. Non, j'en ai pas besoin parce que t'es volant. Oui. Donc ça marche. Force de 10. Sur du 3+. Une sauvegarde à moins 4. Un vu à 4, s'il vous plaît, monsieur.
Et alors, on le voit pas beaucoup sur les derniers tours, là, sur les deux derniers tours, mais les PV que tu m'enlèves sur les temps se font qu'avec des armes de saturation de Doms. Ouais, donc. Et dès que c'est des gros pruneaux. Ouais, complètement. Donc là, c'est donc, quoi? Du coup, c'est la mitrailleuse de l'Onegger parce que j'ai tout fait tirer ici. Les trois, j'ai moins un pour toucher, oui. Donc, mais j'ai plus un grâce à lui qui cible ça. Ok. Donc les trois passent. Yes. On est sur du 4, on est sur du 5. Une sauvegarde, s'il te plaît, tu me la rates. Je veux pas perdre de Ctan. Et je ne perds pas de Ctan. Je n'en peux plus. Donc là, à tirer. À qui le tour là? Ça je vais... Tous les petits persos vont tirer là. Bon, il y a un petit Skitari là. Ouais, donc il a tir rapide, donc c'est deux tirs. Donc il a plus un pour toucher, plus un moins un vu que t'as un. Bon, bref. Oui, sur du 3. Ça okay. Passe, on est encore sur du 5. Allez, une sauvegarde. S'il te plaît. Je ne veux pas mourir avec mon Ctan. Il veut pas l'enfoiré. Ok, veut pas, hein. Ah, ensuite on passe. Le petit Injinser, lui aussi, il va mettre des taquets. Donc il a un petit tir de pistolet ridicule. Qui touche plus un moins un, donc c'est sur du 4 plus, c'est raté. Ok. Eh ben, j'ai pas le choix, c'est la tristesse absolue. Alors, il reste 2 PV. Hein. J'improvise, mais je suis en PLS. Le désintégrateur qui est ici. Oui. Va tirer avec toutes ses armes lourdes là. Oui. Pour finir le dernier PV. Oui. Et il va tirer avec toutes ses mitrailleuses là. Les 3 des 3 tirs de canon Belleros ici. Oui, monsieur. 2, 4, 5. 5. Donc ça fait 5. 5, tu touches à 3, il n'y a pas de débat. Ouais, on est sur du 3. Yes. Ça touche bien. Par contre, tu blesses à 5. On est sur du 5. Allez. Une sauvegarde à moins 1. Là, on va essayer d'un vu à 4. Deux dégâts. Rate-la, s'il te plaît. C'est mon Nightbringer. Je ne veux pas qu'il meure. Allez, hors de question. T'as trop tanké. Ah, mais il continue de tanker. Désolé. Cochon, Alex. Le saligo. Et donc, après, on a les petits tirs. Non, le décitir. De grosses armes dégueu. Allez. 2, c'est nul. Je vais pas y arriver. Les deux touches, on est sur de la force de 7, on est sur du 4. Yes! 2 sauvegardes à moins 2. Arrête avec ton tanking de 4 plus 1 vu. Je ne chuterai pas. D3. Il meurt, ça y est, là, il me restait un PV. Ouais, c'est bon. Donc, excusez-moi, c'était bien les armes lourdes. Donc, comme il l'avait dit, c'était bien sûr le Nightbringer. Donc, c'est lui qui meurt sur un 4 plus. Oui, il explose et donc il fait D3 mortel dans mes guerriers. Ça fait 2 guerriers qui sautent et forcément, j'ai pas de protocole sur ce genre d'attaque. Je suis lancé, je m'arrête plus. Donc toutes ces mitrailleuses, comme prévu, vont tirer sur lui. Donc à moins 1 pour toucher. 6, 7, 8, 9. Plus 1 grâce à lui parce qu'il est dans l'aura de 6 et je l'ai ciblé. Donc on est sur du moins 1, plus 1, 3 plus. 3 plus. Et une jolie palanquée de 1. C'est pas fifou. C'est nul. Tu blesses sur du 5. C'est ça. Une sauvegarde, ça suffira pas. Je vais devoir aller le caquer. Donc tu m'enlèves un PV. Il va devoir aller caquer sur ce Ctan. Et il me reste à tirer ici, on le fait rapidement. Allez, on va faire ça hors champ et on se retrouve à la fin de ton tour pour voir ce que ça a donné. Alors, je vais perdre, mais avec honneur. J'ai flingué les deux Ctan. Il faut savoir que, merveilleuse phase de cac, c'est Mini Skitari qui a fini le Ctan avec une claque. Une balle. Une claque dans la gueule. Moi, j'aurais dit plutôt un tacle au niveau des talons. Vraiment, J'ai visé le genou, c'est terminé. C'est terminé. Donc plus de Ctan sur la table. Par contre, il lui reste toute son armée qui est revenue au fur et à mesure. Mais il n'y a plus de Ctan. Yes. Et ça, c'est une satisfaction personnelle que j'apprécie. Au niveau du scoring, qu'est-ce que tu vas nous faire de beau? Au niveau du scoring, je fais quand même les quarts de table. Alors pas les 4, mais grâce à mon petit copain le Stalker. Donc tu vas faire 2 points. Je fais 2 points. Oui. En termes d'attrition, du coup, j'enlève quand même 2 Ctan. Donc ton T5 va pas être forcément. T'auras pas forcément l'attrition sur le T5. Ouais. Je crois que c'est la première fois que je vais te le prendre. On verra. Je tiens aucun objet au milieu de table, donc la mission secondaire, c'est réglé. La partie s'arrête là, je passe la main à Alex pour son dernier tour. C'est parti. Ok, donc début de mon tour 3, j'étais à 0 point de com, je repasse à 1, je mets 15 points de primaire puisque je tiens 3 objectifs, enfin je tiens 2 objectifs et plus que mon adversaire, donc ça c'est cool. Ensuite, globalement ce que je vais faire, je vais activer mes auras, à savoir je vais faire regagner des 3 figurines sur ce pack là, donc il va repasser à full effectif. Et globalement ce que je vais faire en fait, c'est que je vais bouger mon noble parce que je vous rappelle que je n'ai toujours pas utiliser mon voile des ténèbres qui m'a coûté un point de commandement pour avoir ma relique supplémentaire. Et donc en fait, je vais bouger mon noble par ici, je vais bouger mes troupes par ici, je vais les faire FEP et je vais venir me mettre ici dans son groin et je vais tuer en gros ces deux personnages là plus lui, ce qui va me permettre de mettre 3 points d'attrition. Ça, c'est plutôt stylé. On se retrouve à la fin de mon tour.
Ok, donc on arrive à la fin de mon tour globalement, comme je vous l'ai dit. Le but, c'était en fait d'utiliser mon voile à la fin pour arriver ici et faire un maximum de kills. Ça a bien marché, puisqu'en fait, j'ai désengagé ici pour en fait faire un cercueil sur le véhicule à qui restait 2 PV. Et avec le pack qui est arrivé, j'ai utilisé mon dernier point de com pour leur faire faire des blessures automatiques sur des touches à 6+. Donc voilà, ça m'a permis d'enlever le châssis, d'enlever les deux persos. Il a réussi à sortir un gars qui va faire son test d'attrition. Oui, monsieur. Commandement 7. Il a perdu 4 copains. Eh ben, écoute, il tient. Oh là, il tient. C'est pour l'honneur. Il est vaillant. Il sait que ça aurait pas duré. Mais bon, voilà. Donc, pour ce qui est du scoring, en gros, je vais remettre 3 points à l'attrition. Ce qui fait que j'ai réussi à le mettre sur les 5 tours. Ça me fait 15 points. Je l'ai mis au maximum. Ensuite, en pétant ce dernier véhicule-là, ça va me permettre de refaire 3 points sur les véhicules. Ce qui va me permettre, encore une fois, de mettre le maximum de points sur les véhicules. Donc, je remets 15 points sur cet objectif-là. Et je vais réussir à mettre 6 points sur les quarts de table, puisqu'il y a 1, 2 et 3 quarts de table qui ne sont pas occupés, puisque il n'est pas entièrement dedans. Du coup, ça me permet de mettre 6 points supplémentaires et de mettre 10 points. Je vous propose qu'on se retrouve immédiatement pour le débrief de fin game et l'annonce des scores. On se retrouve pour la fin de cette partie, pour le débriefing. Alors, annonce du score. Première sortie sur la chaîne pour les Nécrons. C'est vrai qu'on t'a pas ménagé. Je t'ai sorti une liste qui est aussi l'aboutissement de réflexion avec d'autres joueurs Nécrons. Mmh. Et on a tendance un peu à vouloir optimiser le truc. Ah, c'était costaud. C'était costaud. En tout cas, d'ores et déjà, merci à toi d'être revenu sur la chaîne une nouvelle fois. Ça fait super plaisir. Et surtout de jouer le jeu, de nous sortir de nouvelles armées, de vouloir diversifier, même si tu joues le même codex, bah, de tenter d'autres choses. Ça, c'est super intéressant. C'est vachement enrichissant pour les joueurs de manière générale. C'est aussi, je pense, qu'on attend du jeu, qu'on soit pas là à se mettre sur le groin avec des listes déjà prédéfinies. Donc voilà, c'est vraiment cool de souligner cet aspect-là de recherche de listes, de réflexion. Ça, c'est plutôt cool. Concernant la partie. Alors, fin du score, 85 pour les Nécrons à 57 de ton côté pour le culte Mechanicus. Je suis assez satisfait du gameplay Nécron. Je trouve que, certes, les Khtans sont des figurines très fortes, mais elles amènent quelque chose de très intéressant dans le jeu Nécron, parce que moi, ce qui me faisait peur, notamment sur ce type de liste-là, qui sont un peu plots, un peu endurantes, c'était de me retrouver en fait avec des unités que je jette sur des objectifs, qui sont pas létales, mais en fait qui vont pas mourir, ou du moins très lentement. Et en fait, le Khtan amène dans cette liste de la mortal wound, du corps à corps dur et fort. Je crois que j'ai pris une trentaine de blessures mortelles. Et une grosse pression sur le corps à corps. Donc c'est en fait, les Khtans rendent la liste très plaisante à jouer. Je me suis vraiment amusé. Et donc donc voilà pour ça. Globalement, je pense que c'était au niveau du gameplay, c'était ce à quoi je m'attendais au niveau de la partie. Je pensais vraiment temporiser un petit peu milieu de table jusqu'au T3, T4 et après avancer. Voilà, ton ressenti sur cette game. Alors moi j'ai passé une très très bonne game, très agréable. Surtout que voilà, j'ai découvert le Nécron V9. Alors j'ai joué beaucoup contre le Nécron V8, mais ça surprend, c'est pas les mêmes mécanismes. Ouais. J'aimais beaucoup ma liste, j'aime toujours ma liste. Je suis sorti de ma bulle martienne, je me suis projeté, j'ai essayé d'être dans le contrôle map, donc j'ai fait mes scores, mes missions secondaires de contrôle map. Brouilleur et... J'ai fait. Oui. Alors la contrepartie, je m'en suis rendu compte sur cette partie, c'est que tous les points que je t'ai donnés, c'était avec des petites unités que j'éparpillais sur la table, et ça t'a permis à chaque tour de faire l'attrition. Donc il faudrait peut-être que je reconsidère un peu ma façon de jouer. Est-ce que c'est bien d'aller faire du contrôle map si c'est pour te donner l'attrition cadeau? Parce que là, t'as fait tes 15 points, j'ai fait mes 15 points, donc bref, on s'est annihilé. Ensuite, t'as fait 10 points de brouilleur en plus. J'ai fait 10 points de brouilleur. Bon. Moi, je pense que ce qui manque à cette liste-là, c'est en fait juste le tanking sur les objectifs. Et je pense que ce qui peut être intéressant, tu l'as dit, ce fameux laser à neutrons n'est pas super intéressant. Non, là, c'est potentiellement gonfler le pool de Breacher. Parce que je trouve que c'est une unité qui est vraiment cool. En du 5, 3 PV, save à 3. Y a peut-être moyen en plus de leur mettre une invulnérable, il me semble, avec un trait de seigneur de guerre ou quoi. Et je pense qu'aller chercher un petit peu de tanking d'infanterie lourde que tu peux poser sur les objectifs, qui peuvent tirer, ça peut être intéressant pour cette liste-là. Après, c'est une piste parmi tant d'autres. Alors, j'avais l'habitude de jouer avec 3x5 Breacher. Ouais. C'est tanky, mais c'est moins rigolo, je trouve. Oui, ça manquait. J'avais envie de me marrer. J'avais envie de balancer, voilà, débarquement Normandie, mes fulguries dans mon transport. Alors, t'en as bloqué un sur le côté qui a servi à rien, donc la tristesse pour moi. Les désintégrateurs qui permettent de se déplacer, tirer sans ligne de vue. Les Breachers, c'est sympa. C'est un gros sac de points. C'est pas super létal. Ça prend les objets. Je voulais essayer de commencer à m'en débarrasser un petit peu. Il faut en garder.
Mais j'avais envie de balancer d'une rider avec du Skitari dedans qui se pose sur les objets, des Fulguris qui viennent donner des tatanes. Il y a des listes assez méta qui tournent, hein, full Dune Rider avec, ouais, du Skitari du Corpus Carry, ouais, et des listes à l'opposé qui partent sur du full Breacher. J'ai essayé de faire un mix un peu des deux. Et voilà. Le spam de Breacher, ça me Et c'est justement à ça où je voulais en venir. Comme tu le dis, t'as des listes qui sont, en fait, moi je pense que d'une manière générale, ce que nous propose Games Workshop autour de Warhammer 40 000 actuellement sur le format 2000 points, mmh, c'est des listes vachement caractérisées, vachement charismatiques. Spécialisées dans un domaine. Et en fait, ouais, conceptualisées. Et donc, c'est difficile de faire un petit peu tout parce qu'on a tendance à pas le faire assez bien. Mmh. Et alors que des listes qui sont, comme tu le dis, full transport, full mec qui débarque, bon, il y a un moment où tu peux plus les gérer, quoi. Ça va t'engluer. Ou alors, des listes full brecheur très très endurantes qui tirent fort, bon, il y a un moment où tu vas quand même te prendre la sauce. Alors, de la même façon, tu aurais pu me sortir une liste full guerrier sans lectan. Oui. C'est pas un bon délire, mais tu risquerais comme un porc. Ça aurait pas été intéressant. Et clairement, après, si t'as pas la saturation pour gérer une liste full guerrier, ça va être une partie très ennuyeuse. C'est ça qui a manqué aussi à ma liste. C'est que j'avais beaucoup d'armes lourdes. Oui. Les balistari canon laser, le Neger, les désintégrateurs en dehors des Beléros, c'était quand même du disrupteur, donc c'est du lourd. Et en face, j'avais que de la masse. Donc mes armes lourdes n'ont servi à rien. Je pensais voir une ou deux barges, des trucs un peu tanky. Et puis t'as joué mes su là où je pensais que ça serait un peu plus gros plot, quoi. Ouais, ouais. Donc là je me suis fait surprendre parce que j'ai mal géré peut-être ma liste par rapport à l'éventualité du MSU Necron. Je sais que si je dois rééquilibrer ma liste, je pense que je vais garder une unité de Stalker. Par contre, l'Onegger va, je pense, disparaître, parce que j'ai déjà des gros plots avec les désintégrateurs, ouais, et les Dune Riders. Et à la place, il me faut du Corpus Carry. Et c'est ceux qui, en réserve stratégique, arrivent, balancent une saucée de fou, avec PA-2, le stratagème du Psychic Awakening. Et eux, je les ai achetés, je les ai eus, j'ai pas eu le temps de les peindre, mais clairement, ils reviendront. Ils vont venir dans mes listes. Okay. Les Corpus Carry, en plus des Fulguris. Donc, on a inventé un nouveau concept. C'est pas le MSU, c'est le, MBU. Donc c'est le multiple big unit. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà, je vous rappelle les copains que si vous êtes tipeur, à partir du mois d'octobre, vous allez voir popper des Tipeee News qui vont en fait vous orienter vers des vidéos privées uniquement pour les tipeurs, en fait, dans laquelle je vais vous apporter du contenu supplémentaire sur par rapport à ce qui se fait ici. On va amener une réflexion un peu plus approfondie sur les listes, sur la construction, sur la lecture des codex, sur l'échange, etc., etc. Je vous rappelle que vous vous retrouvez sur Facebook, sur Instagram. Voilà, ça fait plaisir. Vous avez tous les liens dans la vidéo, le lien du Discord, évidemment. La table sur laquelle on joue, c'est My Scenari. Lien et code promo dans la description. Le tapis chez Crank Wargame, les gars. Lien et code promo dans la description. Un gros big up à Wacolor, notre partenaire service de peinture, et à la boutique MaxiRev. Pareil, vous avez des liens dans la description, ainsi que des codes promo. Voilà, merci encore à toi d'être venu. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous posez le big pouce bleu des familles. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux rapports de bataille sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.